Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live pour quelque chose que j'avais très hâte de vous montrer. C'était la PC Engine Mini testée ici en full frame pour que j'ai ce qu'il faut de capture pour future corner ou mini corner. Le déballage de la console lui-même et l'interface, la praticité, l'ergonomie du hardware lui-même seront testés à part. Mais là, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on branche la console et ce qu'on a sous les yeux. Voici donc l'interface de cette PC Engine qui vous rappellera énormément la NES Mini hein, avec son menu déroulant comme ça et sa myriade de jeux en stream en 60 fps pour ne rien manquer de la fluidité des jeux. Et vous allez voir, de toute façon le signal est bloqué en 720p hein, sur cette machine. Elle est powered par un câble USB-C de base, si vous avez une grosse télé qui a certainement un port USB de libre, ça suffit largement à la lancer. Donc elle est extrêmement plug and play, ce qui est hyper pratique et ce qui rappelle finalement la NES classique hein. Ils ont bien fait d'ailleurs d'émuler ce modèle plutôt que d'essayer de faire une espèce de merde comme la PlayStation 1 Mini. Merci Mark Haig pour ton abonnement. Donc une myriade de jeux s'offre à nous, sachant que là on en a une pelletée, mais si je passe en mode TurboGrafx 16 et tout à coup les boîtes des jeux sont tout de suite beaucoup plus vilaines, mais déjà les jeux sont en anglais et c'est pas les mêmes jeux. Il y a quelques doublons anglais japonais, mais pas que. Il y a des jeux qui sont que en version américaine, d'autres que en version jap. Et surtout, il y a une variété assez incroyable, même si vous avez une vingtaine quand même de shmup dans le lot. Et de toute façon, on va tout tester. Là, le premier dans la liste TurboGrafx 16, c'est Alien Crush, mais on est là pour jouer à la PC Engine. Donc, merci Baldos. Comment je fais pour en savoir autant sur les consoles? Je lis à propos des consoles depuis ma plus tendre enfance. Et je n'ai toujours pas arrêté de me renseigner. D'ailleurs, on a fait un petit podcast par rapport à cette PC Engine Mini avec Florent Gorge, quelqu'un qui se connaît autrement plus que moi sur la PC Engine, parce que c'est l'une de mes grosses lacunes finalement, la PC Engine, dans mon univers de gamer. Vous pensez que je m'y connais un max, mais je vous assure que la PC Engine, ça reste quand même une terre exotique pour moi, parce que c'était une console qui ne pouvait se commander quasiment que sur catalogue ou dans des boutiques très spécialisées. Moi qui étais vraiment marmot, impossible de convaincre papy ou mamie de foutre plus cher, deux fois plus cher qu'une Super Nintendo, dans une console qui n'était qu'exotique et était pleine d'imports et de jeux japonais, etc. Ce qui est marrant, c'est que ça a été importé par Sodipeng, une filiale qui appartenait à Yves Guillemot, notre Ubisofter national. Merci Tsukasa. Le podcast est sur la chaîne de Florent Gorge. Du coup, on va redéfricher un petit peu cette histoire de la PC Engine. D'ailleurs, le jeu est pas mal. Si vous regardez sur la liste au-dessus, là, il nous propose de commencer par Kung Fu avec le Uckard Hudson Soft Volume 1, comme vous pouvez voir en haut à droite. Là. Et en fin de liste, vous avez Sapphire. Sapphire, qui, vous allez peut-être, dont on va peut-être parler dans Hard Looters, parce que c'est un jeu qui doit coûter dans les entre 200 et 500 euros même au Japon quand vous avez la chance de le trouver en bon état. Et 9, vous laissez tomber à fond. Bref, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la PC Engine, c'était une toute petite console qui a déjà été aussi petite qu'une PlayStation Mini presque 10 ans avant la PlayStation Mini, parce que en fait, vous allez voir la gueule des jeux. Dites-vous qu'en face, il y a pas encore la Mega Drive, pas encore la Super NES. Et donc en fait, les principales concurrentes à l'époque, quand cette console sort, ce sont la Sega Master System, qu'on connaît bien, et la NES. Et puis bien sûr, les ordinateurs 8 et 16 bits. Mais alors là, vous allez voir que même l'Amiga, il va rentrer à la niche. Et c'est pour ça que cette console était si aussi incroyable, parce qu'en plus, les jeux étaient pas plus grands que des cartes de crédit. Et on va commencer avec The Kung Fu. Vous allez voir, bon, c'est un jeu qui a son attrait.
Voilà, le jeu est aussi vieux que moi. Et donc le jeu était là pour en mettre plein la vue avec les sprites les plus énormissimes de l'histoire. Sachant qu'en fait, la petite flûte, c'est que les sprites font plus ou moins partie du background. Ou que le personnage est composé de plusieurs sprites. Bref, il y a une entourloupe, hein. Les personnages ne sont vraiment pas aussi grands que ça de base. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, le jeu, il a quand même l'âge de Benzaï, hein. Mais c'était pas mal pour montrer que, en fait, voilà, c'est une console qui n'est pas une 16 bits. Contrairement au nom américain TurboGrafx 16. Parce que, par contre, aux États-Unis, ils ont une vraie distribution de la console. Alors, très nulle, mais rien à voir avec ce qu'il y avait en France. La musique, elle est stylée. Alors, la PC Engine, donc, dites-vous, c'est genre plus ou moins voilà, une petite console dans laquelle on met des cartouches qui sont toutes petites. Sur une console qui, elle-même, est vraiment minuscule. Hein. D'ailleurs, ça a été longtemps la plus petite console disponible de salon. Voilà, là, j'ai carrément les côtes apparentes. Et ce jeu, historiquement, il a du sens parce que c'était aussi bien. Pour moi, si on doit sucer Shadow of the Beast sur Amiga toute sa vie, pourquoi ne pas avoir Kung Fu quand on est là pour faire l'historique de la PC Engine? Je joue comme la dernière des Brels, par contre. Non, j'ai perdu contre eux. Un mec qui ressemble énormément à Carnov. Et donc, on revient au jeu comme ça, en appuyant sur Select et Start. Et du coup, donc, le jeu servait de démo technique en montrant, genre, regardez, la NES, les sprites, ils sont ridicules, ou alors ils font partie du background comme Mega Man 2. Et là, on avait un jeu, le personnage, c'était fou. Derrière, pour la suite, ben voilà, tu as une pléthore de jeux, et quasiment autant en TurboGrafx 16. Donc, on va tout de suite passer à l'autre, parce que c'est juste pour montrer ce qu'il y a et puis capturer un petit peu tout. La suite, c'est Jansei Ken Necromancer. Donc la PC Engine, hein, une console de NEC, mais autrement incroyablement supportée par Hudson Soft, qui a pu s'exprimer énormément sur cette machine, avec notamment des shooters incroyables. Oh et la suite de shooters qui avaient fait les belles heures de la Famicom, comme les fameux Soldier Blade, dont on va parler bientôt. Voilà, donc, bon, nous sommes au Japon dans les fins des années 80, donc Alien est très à la mode, et pourquoi ne pas totalement repomper le style de Giger? De toute façon, est-ce qu'il parle japonais, Giger? Hans Rudi Giger, je ne pense pas, donc pas grave. Et donc, Necromancer, disponible entièrement en japonais, il n'y a aucune ROM traduite pour l'occasion dans cette version, donc ça reste un jeu qui malheureusement reste inaccessible pour les non-japonisants, ce que je suis. Il existe peut-être des patchs de traduction, certainement d'ailleurs, sur cette console. Cette console qui restait d'ailleurs le meilleur émulateur PC Engine. C'est aussi pour ça d'ailleurs que même quand je me suis mis à émuler comme un gros porc sur ma GeForce 2, eh bien j'étais un petit peu tristounet pour la simple raison que la PC Engine, déjà, c'est pas ce que les gens voulaient émuler en priorité, la Neo Geo était largement devant. Et en plus, eh bien, les meilleurs émulateurs étaient payants. Donc un petit peu plus compliqué à choper. Donc là, par exemple, tu vois, genre, je dis oui, je dis non, je n'en sais rien. Bref, Necromancer, un RPG très à l'ancienne. D'ailleurs, vous voyez cette espèce de menu avec 6 entrées façon Dragon Quest. Mais qui a l'originalité d'avoir un espèce de thème horrifico biomécanoïde à la Geiger. Et donc, est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de dire pas vraiment. Alors, plusieurs choix d'affichage s'offrent à nous. Là, comme vous pouvez voir, on est... attends, est-ce qu'il faut que je recrute des gens? Parce qu'on peut-être essayer quand même de jouer au jeu, mais... Je choisis toi, la rouquine. Laissez-moi partir, bref. Il y a plusieurs modes d'affichage dont on va tout de suite parler. Déjà, le background, hein, c'est moi qui l'ai sélectionné. Par exemple, donc là, on joue en 4 tiers de base. Il est possible de jouer avec le même ratio mais étiré sur la verticalité de l'écran, ce qui cause des problèmes de rafraîchissement justement verticaux. C'est presque des déchirements d'écran, et du coup c'est un petit peu bizarre. Rien que les textes qui défilent en fait bugouillent un peu.
Si vous voulez, alors que dans ce mode d'affichage là, il se peut que suivant la résolution des jeux, qui n'est pas exactement la même suivant les softwares, mais il y a des vidéos qui le détaillent beaucoup mieux que moi, notamment celle de NetaGeo que je vous recommande. Comme le multiplicateur n'est pas exact, et en plus les jeux changent, tout en gardant le même ratio, parce qu'il faut savoir que les pixels sur nos télé cathodiques étaient un petit peu étirés, un petit peu stretchés, n'étaient pas carrés. Du coup, ça, on a le vrai ratio des sprites de l'époque, mais sur certains scrolling horizontaux, ça peut causer des petits blurs. Du coup, pour éviter quasiment tous les blurs possibles et imaginables, il y a le mode pixel carré, mais qui va faire un petit effet slim fast sur tous nos personnages et nos décors. Donc c'est pas forcément, on va dire, le plus authentique en termes de look, mais par contre, c'est le plus arcade perfect en termes de, d'animation. Et là, si vous en avez rien à foutre et que vous aimez les gros pâtés, alors là, on étire l'image à l'infini, et du coup, eh bien aussi, autant faire l'amour à sa maman après. Et par contre, un filtre qui est assez drôle, c'est le filtre de la PC Engine GT. D'ailleurs, par contre, un des trucs assez marrants, regardez. Je vais vous mettre, pour que vous compreniez un petit peu, on va se mettre en mode comme ça, mais avec, en appuyant sur Start, vous pouvez activer les scanlines. Et les scanlines ne sont pas que des scanlines. Regarde, alors je vais mettre l'image la plus grande possible sans totalement stretcher l'image. Mais les scanlines ne sont pas que des scanlines, il y a aussi une espèce de léger flou artistique qui simule en fait le mauvais rafraîchissement, la rémanence d'un écran cathodique. Donc en fait, on a une espèce de blur en plus de scanline, mais c'est quand même plus subtil que quand un émulateur, tu essaies de brute forcer les scanlines et puis un Gaussian blur, un double buffer. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus sympa, je trouve. D'ailleurs, j'ai l'impression que le flou est légèrement centré sur le milieu, comme sur une vraie télé, parce que faut savoir un truc, c'est que le pixel art n'a jamais été fait pour être affiché en progressif, sauf sur certains écrans bien particuliers et certaines machines bien particulières. Ou alors certains trucs d'arcade où là le signal était vraiment en RGB. Alors que de base, la PC Engine, dites-vous que la première version de la console a un espèce de vieux signal antenne de mes couilles qui est hyper indé et hyper foutasse dégueulasse. C'est pour ça d'ailleurs que en France, la PC Engine Mini fait honneur au modèle Core Graphics, qui lui a une sortie beaucoup plus sympa en S-Video, qui permettait d'avoir un signal un peu plus sympa et surtout de le brancher directement sur une télé à l'ancienne, parce que bordel, aujourd'hui allez vous amuser à brancher une console en antenne. Si vous avez d'ailleurs un Atari 2600 à la maison, hein, c'est le même genre de branchement et c'est vraiment de la grosse merde. D'ailleurs, je sais pas, le Core Graphics, je dis peut-être de la bêtise sur la sortie de la Core Graphics, si c'est en S-Video ou si c'est pas juste en coaxial. Bref, tout ça pour vous dire que, oui, aucun des sprites auxquels vous jouez sur vos vieilles machines ou vos vieux émules n'ont été pensés pour être affichés au ratio 1/1000. C'est pour ça qu'il y a plein d'effets d'escalier et de faux dégradés qui, une fois passés dans des scanlines à la moulinette, créent un vrai dégradé, alors que le système de damier et de faux dégradés à la base n'est pas fait pour être vu tel quel. Merci Pipouze, c'est ce qu'on appelle le fameux dithering. Bref, Galaga 88, c'est pas le meilleur exemple, on va dire, de ce que la console peut produire, mais il a le mérite d'exister, et vous allez voir que plus on va avancer, plus la console, elle va exploser des culs. Pour l'instant, on est sur des jeux où genre, oui, bon, ok, c'est un peu plus fluide. Et j'espère que vous avez bien noté la fluidité, parce que, souvenez-vous, sur NES, dès qu'il y a trois sprites alignés, ça clignote du feu de Dieu. Tout rame sur une Master System quasiment, il y a très peu de jeux très fluides. Là, toujours aucun problème, et la promesse était un petit peu des graphismes façon arcade. Vous allez voir que plus ça va aller, plus on va avoir peu de choses à redire sur la qualité des jeux. Merci Pipouze. Qu'est-ce qu'il y a qui franc? Qu'est-ce que tu me racontes? Par exemple, Fantasy Zone. Ce qui est drôle, c'est que Fantasy Zone est un jeu Sega. D'ailleurs, pendant un temps, Opa Opa, le vaisseau de mes couilles là, était l'un des
l'une des mascottes, un petit peu mascotte de Sega, tu vois. Donc, Fantasy Zone, qu'est-ce que c'est? Moi, ça m'a jamais fait vibrer, Fantasy Zone, j'ai pas trop compris, parce que c'est du shmup, mais du shmup à déplacement libre, à scrolling infini, c'est-à-dire que quand tu vas d'un côté, tu reviens au début. C'est tout simplement un émule de Defender version cute. D'ailleurs, c'est peut-être même le premier cute em-up de sa génération, avec des générateurs de méchants. Et comme vous pouvez voir, de toute façon, une fois passé sur un stream, les scanlines, c'est proprement dégueulasse. C'est pour ça qu'on va vite repasser sur un autre filtre. Et en plus, de toute façon, je n'ai jamais aimé Fantasy Zone. Il y a encore des gens qui se butent en arcade au Japon sur ce jeu. Il faut le savoir. Et c'est bizarre. On va juste quand même se mettre le filtre. Parce que, en fait, l'un des trucs incroyables, c'est que cette console tenait la dragée haute aux consoles de salon, même après la sortie de la Mega Drive censée la défoncer. Alors que pas du tout en pratique. Même si les mecs ont vraiment redoublé d'ingéniosité lorsqu'il s'agissait de programmer cette console hyper véloce sur l'affichage de sprite et avec de très belles couleurs. Rassure-moi Benzo, tu vas arrêter de spoiler FF7 comme un sagouin de faire un bon gros lag PC Engine. Mais on est dessus. Qu'est-ce que je suis en train de faire mon cher? Par exemple Dragon Spirit, c'est marrant parce que c'est un jeu que je possède directement en U-card sur ma PCGT. Et regardez ça. Alors, bon, ils ont pas le droit, y a pas le logo NEC pour des raisons qui sont longues à détailler. Mais bref, regardez, il y a une petite rémanence de l'écran et cette espèce d'effet de pixel rond là sur les trucs. Et je vous assure, en fait, c'est assez dingue en fait d'avoir développé ce filtre qui, pour jusqu'à preuve du contraire, est assez inédit parce que la matrix des pixels de cet écran a vraiment ce look là, c'est-à-dire il y a un espèce de léger downscale parce que les jeux sont dans une résolution supérieure à celle de l'écran lui-même, mais t'as cette espèce d'effet de tamis un petit peu rond là sur les images du jeu. Et là on est encore sur du jeu qui a plus de 30 ans, hein. Et sur une console portable, ça, regardez la fluidité quand même du jeu, on est sur une console portable qui a le même âge que la Game Boy et la Game Gear, à peu de choses près, à 1 ou 2 ans près, tu vois ce que je veux dire. Et là le truc, bon par contre, console de bourgeois, elle coûtait un fucking bras. On a calculé sur le... En 90 ou 91, cette console, je m'excuse d'avance hein, pour les toutes relatives inexactitudes de ce que je vais sortir de ma bouche sans trop y réfléchir. J'essaierai de double-check tout ce que je vais pouvoir écrire dans le hard corner, mais... En attendant, ah oui, c'est ça, c'est que les monstres du Loch Ness, tu peux leur jeter des grenades. La musique! Alors, le processeur sonore de la PC Engine, il a un espèce de cachet très particulier, espèce de petit côté bourdonnant, là, qui est pas dégueulasse, quand on s'y fait. Et là, vous voyez, genre, ouais, on voit pas bien les sprites et tout, mais ça ressemble vraiment à ça. Et quand vous aviez une Game Gear, quand vous pouvez plus, suivant les jeux, avec des jeux beaucoup moins stylés, et ou une Game Boy au secours, ou une Lynx avec son écran dégueulasse, et la résolution de la Lynx, l'écran de la Lynx encore est à peu près passable, mais c'est la résolution de la Lynx, c'était pas possible. Et là Dragon Spirit, il avait la petite, donc c'est un jeu de Namco d'ailleurs, c'est pour ça que le format de carte, c'est une console tellement exotique que genre il y a tellement à dire et tellement de sous-versions de cette console qui était plus une façon pour NEC et Hudson de poser leurs grosses couilles plutôt que de vraiment truster le marché, même si au Japon cette console a extrêmement bien marché et reste culte à bien des égards, et il est encore très facile de trouver des myriades de jeux PC Engine dans les bacs de tous les magasins de rétro gaming un petit peu partout. Là où la console va pêcher, c'est... Là où la console va briller, c'est les shoot'em up, qui étaient extrêmement à la mode à l'époque. Il faut quand même se remettre dans le contexte qu'à l'époque, sortir un shoot'em up, c'était aussi safe que de sortir un FPS aujourd'hui. Et puis, en arcade, c'était un peu un des genres rois avec le versus fighting. Et d'ailleurs, on regrettera, malgré tout, l'absence de l'excellente version de Street Fighter 2 pour PC Engine, qui, je vous assure, quand vous la faites tourner sur une console portable...
c'est juste du délire encore aujourd'hui. D'ailleurs, la qualité de fabrication des PC Engine GT, notamment des portables, est telle que là, je vous assure que j'ai celle que j'ai chez moi, l'écran, il est d'une beauté absolument ineffable. Tout en n'ayant absolument pas vieilli d'un pouce, quoi. Il est pas fatigué et tout, alors qu'une vieille Game Boy, une vieille Game Gear, à l'aide. Alors que c'est des consoles qui ont 30 ans! Donc, ouais, comme on disait, c'est une console qui valait à peu près 600€ à l'achat. Pour une console portable, hein. C'était à peu près 5 fois le prix d'une Game Boy, quoi, facilement. Donc, on va remettre maintenant l'affichage un petit peu plus comme ça là, on va enlever les filtres surtout. Je vais vous mettre le mode Slim Fast vite fait pour que vous voyez la différence. Regardez juste vite fait un petit peu ce que ça donne Dragon Spirit dans une meilleure frame. Là c'est bien, c'est comme le jeu, il a un ratio vertical, c'est pas trop grave de l'avoir en Slim Fast. Même si putain le dragon il est tellement gras quoi. Ça fait bizarre, en fait, il y a quasiment 90% de la... Enfin, non, pas 90%, mais quasiment la moitié des jeux sur cette console, sur cette mini-console sélectionnée, sont des shmups. De la même façon que plus de la moitié, voire les trois quarts sur la Neo Geo Mini étaient des jeux de baston. Alors qu'en fait, moi, un des trucs que je préfère sur la Neo Geo, c'est les jeux qui ne sont pas des jeux de baston. C'est les Windjammer et consorts. Alors l'avantage par rapport à la version japonaise sur cette PC Engine Mini, c'est que la manette est turbo, parce qu'on simule la Core Graphics, donc la version noire de la console, et la manette turbo, bah voilà. Comment dire, c'est tout de suite, c'est le cheat quoi. Mais là, dites-vous que très peu de jeux, déjà un Amiga valait quand même déjà plus du double de ça, et très peu de jeux Amiga pouvaient prétendre à une telle fluidité. Et encore, là, on est sur un jeu de la première génération sur cette machine, et petit à petit, les mecs se sont énervés. Hein. On va repasser sur le statut de base. Alors, voilà. Histoire d'avoir un petit peu des cartouches. Vous voyez la taille des cartouches, et là, à l'écran, elles sont quasiment plus grandes que les vraies. C'est vraiment grand, si vous comparez. Prenez une carte bleue dans votre main, c'est aussi grand qu'une carte bleue. Donc bon, ce jeu-là, on va pas en parler très longtemps, parce que... voilà, c'est un party game auquel je ne vais strictement rien comprendre. On joue au croquet. Comment dire? C'est pas exactement le jeu qu'on attendait, sachant que bah, y a quelques classicos qui manquent. On pense notamment à Ninja Warrior, à Devil Clash, au Street Fighter justement, et à Dragon's Trap. Le jeu, le fameux Wonder Boy 3 que vous connaissez bien désormais sur la chaîne, qui possède une version assez divine sur PC Engine. Alors, petit détour sur Nectaris, auquel c'est pareil, on va pas y jouer très longtemps parce que vous allez comprendre qu'on va galérer, sachant qu'il est disponible en version anglaise sous un autre nom. Mais... on va dire, le look signature pour moi des jeux PC Engine, pardon, NEC, c'est des gros visuels qui tâchent, des jeux finalement assez simples à jouer et à appréhender. Là, ça doit être le jeu le plus compliqué, hein. Voilà, là pour l'instant, là, je comprends rien au menu, mais rassurez-vous, il y a la version anglaise de l'autre côté de la console. Des gros sprites, une fluidité à toute épreuve, et ça c'est vraiment quelque chose qui va être marquant, vous allez voir, sur. C'est pour ça que je tiens à streamer en 60 fps, et surtout une propreté d'affichage
avec des sprites géants qui clignotent jamais, qui sont jamais stressés, etc. Pareil, Dungeon Explorer, il est disponible en anglais sur la même machine. Donc là, par exemple, blablabli, blabla. Voilà, je veux un Warlock. Je suis un Warlock. Je pars. Alors, c'est une ambiance quand même, parce que c'est un jeu. Vous voyez, là, ça vous fait un petit peu penser à Gauntlet. C'est un jeu, quand on traverse une porte, on a l'impression qu'on meurt. Non, en fait, c'est bon, je me baladais. Non, c'est bon, en fait, je me baladais. Tu vois, c'est un peu bizarre, bon. Autre petit reproche, c'est qu'à 110 euros sur cette Core Graphics, il n'y a qu'une seule manette disponible, alors qu'il y a quand même une pléthore de jeux disponibles à plusieurs. Y compris, tu vois, Dungeon Explorer, c'est marqué même jusqu'à 5 joueurs. C'est abusé ou pas? 5 joueurs! Parce que la console, bien sûr, était très connue pour ses multiples versions de Bomberman qui répondent présent sur cette mini console. Et du coup, quoi de mieux sur Bomberman que de sortir le multi-tap et de se buter à quand même le Battle Royale original, rappelons-le. Alors là, Newtopia, assez cool. Moi j'y joue sur la version américaine. Parce que du coup, j'ai des save states sur Newtopia. Donc en fait, il y a le même système de save state que sur Mini NES, c'est-à-dire tu fais sauvegarder, là tu as 4 slots de sauvegarde, d'ailleurs l'icône représente l'espèce de truc de sortie pour avoir la meilleure sortie vidéo de la console. Et le port d'extension sur la PC, oh là là, c'est tellement un micmac les différentes versions de la console, je vais essayer de bien faire mes devoirs pour le Hard Corner parce que je vais en parler plus en détail. Mais Newtopia, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, ça vous rappelait un jeu. Et là, pour l'instant, parce que remonte l'histoire un petit à petit, pour l'instant, on est sur des jeux qui sont sur les petites cartouches que vous voyez. Alors, des fois, ça s'appelle des U-Card, des fois, c'est Namco. Des fois, alors en fait, il faut savoir que c'est un format qui existait déjà sur micro japonais qui s'appelait les B-Card. Donc, en fait, c'était même pas un format créé pour la console. Par contre, ça donnait aux cartouches un look tout à fait particulier, surtout quand comparé à une grosse cartouche NES qui est énorme, c'était vraiment assez dingue de voir des graphismes qui n'avaient rien à envier à ce qui allait sortir sur Mega Drive ou ce qui venait de sortir sur Mega Drive, avec un son beaucoup plus profond et en stéréo, avec beaucoup plus de basses salaces que la Master System ou même la Master System version FM. Et là, vous allez voir, bon, ça va peut-être vous rappeler un jeu. La musique est vachement énervée. Alors, c'est un clone de Zelda. On rappellera quand même que Zelda est lui-même un clone de Hydlide. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que Newtopia était là pour répondre à une demande. Quand Zelda 2 sort, parce que là ce jeu est sorti bien avant Zelda 3, bien sûr après Zelda 1, mais quand Zelda 2 arrive avec sa formule totalement différente de side-scroller et de jeu de plateforme bâtard là, avec des systèmes de points d'expérience, la demande reste forte pour des jeux à la Zelda, des jeux simplement d'action-aventure. Alors celui-là il est clairement modelé sur Zelda, tout comme le fameux Golden Axe Warrior de la Master System. Mais laissez-moi vous dire que j'y ai joué sur les recommandations de Florent Gorge, et Newtopia 1 et 2 sont des petites pépites avec des boss immenses à l'écran qui bronchent jamais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que la console, on a l'impression que c'est une espèce de version overclockée, alors que le jeu était vraiment aussi fluide et propre à l'époque. Ce qui renvoie quand même pas mal dans la mélasse, les Sega Mark III et autres Nintendo de l'époque. Hein, pareil pour un Atari ST, il n'y a aucun jeu Atari ST aussi fluide que ça, quoi. Et pourtant, vous savez quel amour je porte au micro Atari et Commodore. Regardez là, claque, une petite bombe. Hop, du coup on sélectionne la petite bombe, c'est exactement Zelda. Et du coup le jeu est disponible en version américaine, donc il a le bon goût d'être accessible aujourd'hui si vous achetez le truc. Alors c'est pareil, on peut changer le fond aussi d'écran, je vais vous mettre celui qui est plus coloré mais il fait un peu plus mal à la tête. Et voilà, là arrive un personnage
qui intervient pour donner à la PC Engine sa propre mascotte quelque part. D'une certaine façon, parce qu'en fait, PC Engine, qui est un jeu de mots avec homme préhistorique, PC. Alors, il s'appellera BC Kid sur d'autres plateformes, et PC Kid pour être le personnage de la PC Engine. Enfin bref, c'est un bordel monstre. C'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire, hein, littéralement, sur l'historique des jeux vidéo. Mais bref, Hudson Soft arrive avec son PC Engine, qui est bien sûr un jeu de mots par rapport au PC Engine. Qui s'appellera BC Kid, notamment sur micro. Moi, j'avais une version sur Amiga. Et qui est un petit peu, eh bien... c'est comme Mario, MDR. Bref. Le personnage mascotte de cette NEC qui arrive en 89. Donc, pas de Sonic, hein. On rappelle, hein. Sonic arrive dans 2 ans bien tassé. Et cette console débarque toujours avec sa petite version cartouche. Donc là on est encore sur la version de base, hein, de ce que la console pouvait proposer. C'est-à-dire les jeux sur cartouche, le son qui sort généré par la console, avec par contre une petite profondeur de basse sympathique et un stéréo vraiment sympa. Enfin, en vrai, d'ailleurs, on n'a pas encore parlé de la qualité de l'émulation de cette console mini, mais elle est... top tier dans les consoles mini. C'est-à-dire, à part la mini Super NES qui m'avait extrêmement plu, on est dans le top du top. En termes de sortie vidéo, ça éclate notamment la dégueulasserie qui était la Neo Geo Mini. En termes d'input lag, ça éclate ce qu'il y a de proposé sur la NES Mini qui était vraiment pas folichonne. Et en termes d'émulation hardware et de la façon dont les jeux tournent, on est sur de la quasi-perfection. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de NetaGeo qui a évalué l'input, le lag et de l'émulation par rapport à l'original et... en fait, c'est que tu peux te servir du fait de tomber pour planer dans le jeu. Et du coup, j'ai tendance à oublier qu'en fait des fois il fait... Ah mais c'est que je suis en turbo, c'est pour ça. En turbo le jeu c'est Mario Bros 3 quoi. Merci Willody. Voilà, parce qu'en fait normalement t'appuies une fois et il tombe, tu vois. Et j'étais là genre tiens il est bizarre le jeu. Et en fait quand tu mets en turbo c'est... Bref, vous avez moins d'une frame d'input lag. Vous avez une frame d'input lag ou deux frames et vous avez moins d'une frame de retard par rapport à la façon dont le jeu tourne sur le hardware d'origine. Autant dire que pour 99,99% des gens qui vont se procurer ça, et peut-être même qui ont joué à l'époque, vous n'y verrez que du feu. Sachant que la qualité d'affichage, même limitée à 720p, est vraiment, vraiment très satisfaisant. Et pourtant, j'y ai joué sur ma télé 4K et sur ma barre de son Dolby Atmos, et le son est vraiment vraiment rond, vraiment charnu, tu vois ce que je veux dire. Il est assez profond, il manque pas de volume, il manque pas de bonne séparation stéréo. On est vraiment sur du bon, alors que l'émulation sonore pourrait être dégueulasse. Enfin, sur Mega Drive elle est cool, mais ils avaient pas fait non plus spécialement le café. Là le produit est vraiment extrêmement bien fini quoi. Il manque juste une deuxième manette, je trouve. Ça pour dire qu'en fait, vous pouvez vraiment apprécier les jeux dans leur jus, sachant que là, pour l'instant, on teste des petits jeux qui se trouvent encore assez peu chers. Hein, mais c'est juste, par exemple, c'est un peu la galère de jouer à la PC Engine aujourd'hui, parce que les machines, soit elles ont des sorties vidéo d'un autre âge, soit déjà il faut un adaptateur secteur japonais, à moins d'avoir eu une version de chez Sodipeng vendue par l'actuel président de Ubisoft aujourd'hui, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je veux dire? Et en fait c'est. Et puis il faut avoir les jeux en UCard. Et ensuite si vous voulez des jeux CD-ROM, alors là il faut votre extension CD-ROM qui fonctionne avec votre interface Unity pour avoir la bonne sortie vidéo. Il faut les jeux sur CD-ROM qui coûtent une absolue fortune aujourd'hui, pour la plupart. On parle du Castlevania qui coûte presque 300 euros aujourd'hui même au Japon. Bref.
C'est pour dire que certes il y a beaucoup de FPS, de FPS, de shooter, mais il y avait aussi de belles choses. Par exemple, la console fut la première à avoir une extension CD en console, hein, bien sûr. Il y a eu des CD sur micro bien avant, en 87 je crois, sur Mac, mais j'ai totalement oublié quel jeu c'était, parce qu'on s'en bat les couilles, parce que sur console, au Japon, extension CD-ROM arrive sur la NEC PC Engine. Donc là c'est même le CD-ROM 2, parce que c'est un jeu qui fait collection des deux premiers IS, la fameuse série que moi j'appelle YS dans ma naïveté, avec l'usage du support CD et la façon dont cette console s'est servie du support CD. Vous rappellerez un petit peu le Mega CD d'ailleurs, mais là on est sorti, genre les mecs sortent un CD, un support CD, à la sortie de la Mega Drive. La Mega Drive qui elle va mettre 2-3 ans à avoir son CD, tu vois ce que je veux dire ? Les mecs sont en avance de ouf. Et d'ailleurs, le premier jeu CD pour console du monde, c'est... alors, il y a deux jeux. Il y a Noriko, qui est un jeu de drague avec une nana qui n'est pas là. Et le Fighting Street, alias Street Fighter 1. Bon, c'est de la merde, mais la BO était cool. Voilà. Donc, là, on va se mettre... Voilà. Et du coup, vous voyez, regardez. Pour simuler, il fait style, il met la carte de firmware qu'il fallait mettre dans la console. Et vous avez le bruit du lecteur CD qui se lance. Et là, imaginez, on est en 89. On est en 89, la Mega Drive est sortie ou pas, ou à peine. Et pas sortie ou à peine. En face, il y a le jeu Quel le survivant dégueulasse. Il y a que Altered Beast. Sonic est pas là avant 2 ans. Et là, les mecs te sortent ça. Avec ce son. Plus aucune limite dans le son et plus aucune limite dans le nombre de graphistes, de graphismes que tu peux faire rentrer dans la galette. Donc les mecs font des compiles, notamment avec cette compile IS 1 et 2. Mais surtout du coup, au niveau des musiques, là maintenant on peut directement sortir le son du clavier ou de ceux avec quoi t'as programmé le truc, ou même enregistrer clairement des trucs en studio. Et des voix. Et certes, il n'y a pas encore de compression MPEG ou quoi que ce soit, on peut pas mettre de la vidéo. Par contre, comme on peut faire rentrer des backgrounds à l'infini, et du coup, dans la limitation de la pipeline graphique de la console, on peut avoir des grosses images qui bougent et les enchaîner, des voix, de la mise en scène, et donc des fameuses cinématiques à base, eh bien, de background pixel arté. Et du coup, ça crée un espèce, eh bien, de, on va dire, de courant artistique. Moi, j'ai envie de dire, c'est un courant artistique, en fait, qui clairement était déjà présent un peu dans moult visual novel sur PC 88, sur micro, mais avec la musique, avec les voix, avec les scrollings qui sont quand même gérés par la console et tout, on est dans une autre dimension. Merci Langdeuf. Alors, l'avantage en plus, c'est que ce IS, Book 1 et 2, est disponible en anglais, parce qu'ils ont mis la version TurboGrafx américaine, donc on va pouvoir se buter. Si vous voulez jouer à l'un des pères fondateurs de l'action RPG, avec une BO qui du coup n'a pas vieilli, et ça c'est incroyable, parce que du coup les cinématiques n'ont pas vieilli, c'est un peu, c'est pixelisé et il y a une limitation au niveau des couleurs, mais c'est un authentique courant artistique. Et si vous voulez faire votre culture, bah là rien que ça, ça vaut le coup, rien que ça, ça vaut le coup d'avoir la mini console, hein. Surtout quand la musique se lance. Ah mais attends. C'est bizarre, c'est pas la même intro en américain, c'est ça ? C'est pas la musique genre tu ti du tu du, on va se la mettre après. Si ! Cette BO ! Bienvenue sur Rétrovision.
Donc dites-vous qu'à l'époque, en France, on venait d'avoir Mario 2. Et Zelda 2, qui sont sortis très très tard. Enfin, à peine, quoi. La Super Nintendo est un fantasme, hein, elle sort dans 2 ans au Japon. Et là, c'est juste la même console, avec l'extension CD. Mais les mecs sont là pour en mettre plein la vue. Ce jeu a plus de 30 ans. Et ça ne vieillit pas, parce que tout est fluide. Il n'y a pas de défaut technique apparent, à part la limitation des couleurs, mais qui du coup donne un style assez racé, qui est d'ailleurs beaucoup émulé aujourd'hui sur Steam, etc. Merci Artomino dans les jeux indés. Mais regardez ça, regardez ça! Les mecs en peuvent plus! Vous voyez ce que je vous disais, les espèces de faux dégradés à base de damier là sur... sur le dégradé des nuages, normalement ça c'est censé être vu avec des scanlines pour être plus beau. Mais bon, en stream ça rend dégueulasse. Après, voilà. Is, c'est la séchance. C'est des personnages. C'est un jeu où tu joues un Lemmings qui fonce dans d'autres Lemmings et ça bourre. Bref. Et là vous avez vu, vous pouvez voir quand le bateau est arrivé, on avait ce qu'on appelle... dans le jargon du shimmering. Le shimmering, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement lors d'un scrolling horizontal. T'as l'impression que l'image elle vibre un peu parce qu'en fait, il n'y a pas de sub-pixel. Techniquement, le personnage, le sprite, doit passer dans une espèce de sous-dimension entre les pixels qui crée cette espèce d'effet de flou bizarre en mouvement. Qui est assez disgracieux, vous l'entendrez. C'est pour ça qu'on va cette fois passer en pixel perfect pour eh bien s'affranchir du dithering, du shimmering pardon. Le dithering, c'est l'effet de dégradé par damier. Bref, du coup, sur CD-ROM, on se retrouve avec des shoot 'em up directement tirés de l'arcade. Et là, quand vous avez joué à des portage de shoot 'em up d'arcade sur micro, sur Atari ST, sur Commodore, sur Commodore 64, sur ZX Spectrum. Non mais dites-vous qu'à l'époque, il y a encore des gens qui sont sur ZX Spectrum. Donc le ZX Spectrum, ça ressemble à une Game Boy malade. Et ça tourne comme rien, c'est de la merde. Et sur Amiga, certes, on avait beaucoup de couleurs, mais c'était pas toujours hyper fluide, ni toujours très jouable. Et là, les mecs, voilà, avec la système 2 card et le CD-ROM qui se lance... Là, vous regardez, vous voyez, là, maintenant, le scrolling du sexe, eh bien, est totalement exempt de défauts. Et là, il y avait des mecs, au Japon, ou en France, pour les gros bourgeois, ou qui étaient suffisamment adultes pour se commander des trucs en VPC sans avoir besoin de convaincre mamie qu'il fallait acheter ça, sachant qu'après, pour les jeux, bah, c'était pareil, c'était sur catalogue. Dites-vous que moi, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres, hein, on le rappelle. Les mecs sortent Dolby Super Darius en Dolby Surround en 90. Alors là, turbo, hein. Manette en turbo, rien à foutre. Ah, d'ailleurs, il y a deux modes de turbo. Il y a pas de turbo, turbo 2. Suivant les jeux, parce que des fois le turbo 3 il bourre tellement que du coup, tu vois, il tousse. Parce que en fait, sinon il y aurait trop de billes à l'écran. Alors bon, Darius, je n'ai jamais aimé Darius, hein. Qu'on se le dise, je trouve que c'est de la merde. Putain, mais j'arrive pas à tuer les gens. En fait, faut bourrer soi-même. Et en plus, là, pour un jeu CD-ROM, la musique semble sortir d'une sous-version arcade et juste être enregistrée telle qu'elle. Là, pour le coup, il y a vraiment mieux sur Mega Drive, hein. Des Thunder Force 3, là, vous oubliez, quoi. Et c'est Darius, en même temps, c'est vraiment pourri, Darius, quoi. On se bat contre des poissons géants, j'en ai rien à foutre.
Bref, crucifiez-moi ceux qui préfèrent Darius. C'est pas la meilleure version. Alors, on a un autre jeu. Là, regardez, vous voyez, il n'y a pas marqué Ucard. Là, tu vois, il y a marqué Ucard. Là, il y a marqué Namcot. Parce que Namcot, Namco était là, genre, ouais, on va pas appeler ça. Non. C'est quand même des Ucard, mais on va dire que nos jeux, c'est la série Namcot. Parce que, voilà, il y a un côté un petit peu bizarre sur cette console semi-open sourcée où il y a 12 versions de la console, parce qu'il n'y a pas que la PC Engine GT en portable. Alors ce jeu-là, faut savoir qu'il est encore dosé au Japon en arcade, vous le trouvez à peu près dans toutes les bonnes boucheries. Avec ce personnage, d'ailleurs, si vous regardez la série... comment ça s'appelle High Score Girl, ça joue à ce jeu, ça en parle. Regardez-moi ce bordel, ce joyeux bordel. Alors, il a la classe parce que c'est un peu japonisant et tout. Si vous êtes chaud, c'est un peu l'ancêtre de Sekiro. D'ailleurs, je pense que le jeu est 6 fois plus dur que Sekiro. Je suis en train de me faire défoncer. Il est d'une fluidité redoutable. Il est assez dépouillé, mais en même temps, en vrai, pour sa défense, la version arcade est hyper dépouillée aussi. Je suis une bite 1. Voilà, et en plus si vous comprenez quelque chose, vous pouvez m'appeler. Parce qu'en fait quand on meurt, on tombe dans le néant, où là le personnage est 6 fois plus gros. Et en plus, dont l'animation est basée sur des rotations. Parce que voilà, on a... Parce que on peut quoi. Alors c'est déjà une énigme en arcade. Alors historiquement il est important ce jeu, il a eu un succès monstre. Hein. Il a vraiment fait partie de la vie de beaucoup de joueurs japonais. Je passerai, mais c'est bien qu'il soit là. Le jeu devient beau quand on meurt, ouais. Alors là, par contre, on n'est pas sur CD-ROM, et vous allez voir que le jeu va mettre à l'amende énormément de jeux. CD-ROM, Mega Drive, Super Nintendo, sur Super NES, en vrai, à part Axelay et Super à l'Est, en shmup, pour moi, c'est pas la panacée, et encore Axelay, je suis gentil avec. Alors que Super Star Soldier, vous allez comprendre le truc. Et Super Star Soldier, qui est l'un des jeux qui a le plus retourné la console dans ses derniers retranchements. En termes de U-card, de ce qu'on peut rentrer dans une U-card. Là, regarde, il vous montre des screenshots de la version NES Soldier Blade ou Star Soldier. Oh là là, c'est tellement compliqué. C'était des shoot'em up tellement populaires au Japon sur Famicom qu'ils organisaient des grands tournois appelés les Caravan Tours. De scoring en fait, et l'organisateur de ces tournois était un mec super fortiche qui bossait chez NEC, chez Hudson Soft à l'époque, qui s'appelait Takahashi Meijin, et on va le retrouver plus tard, on va en parler après. Mais du coup, bref, les jeux qui sont devenus extrêmement populaires par rapport à leur mode caravane, justement, qui servait à différencier les plus balèzes. Et attention, là, le jeu, par contre, là, il a plus le temps. Hein. La musique, elle tue, en plus. La fluidité du jeu, la taille des sprites, des attaques... Le truc, c'est un Danmaku Vénère sur une console 8 bits, sortie en face d'une Master System cassée. Et pourtant, j'adore la Master System. Mais il n'y a pas photo. Et donc, plus tu récupères la même couleur, plus tu as la même attaque en fort. Ça crée des espèces de... Alors tu vois, là je récupère tout comme un sagouin, alors que normalement, j'aurais faire gaffe à la couleur des bonus que je récupère. Que tous ces jeux ont un système d'armes assez propre. Voilà, bon. Comme là, on est là pour bourrer et pas tryharder. La musique est énervée. Donnez-moi des missiles.
Mais même, et en fait, je trouve les couleurs, la palette de couleurs de la PC Engine est toujours super vibrante, super stylée. La Mega Drive, c'est souvent assez triste quand même. Hein. Pour être totalement partial. J'adore Thunder Force 4 hein, sur Mega Drive, bien sûr, hein, qui est, on va dire, un peu l'exception qui confirme la règle en termes de. Genre, pourquoi la console déchire tout. Mais les mecs qui se butaient à ça, ils avaient rien à envier. Ils avaient aucun intérêt de revendre leur PC Engine pour acheter une Mega Drive par contre. Là, on est clairement dans le délire. Regardez la rapidité avec laquelle tout ce bordel bouge. Je vous rappelle que ça tourne sur un hardware de 87 qui est vieux comme papy. Et cette petite musique là, cadencée, énervée. Qui sent l'espoir et le neketsu, vous allez la retrouver beaucoup, y compris ben, quand les boss de Newtopia, ils ont des musiques mais vraiment énervées dans le genre. Bref, en plus ce qui est bien, c'est que ces jeux ils sont assez accessibles, mine de rien, c'est pas des Danmaku trop vénères. Enfin, plus dans les derniers niveaux, mais c'est toujours assez cool d'y jouer. Et surtout, ce sont des vrais morceaux d'histoire, parce que là vous avez une vraie fenêtre sur. C'était quoi qui était cool au tournant des années 90 dans le jeu vidéo japonais sur une console qui restait quand même très exotique. Et ça tourne, ça ne rame jamais. Ça tourne au poil de cul comme en 40, 60 FPS. Il n'y a pas un seul sprite qui clignote. Il n'y a rien qui fait chier. Quoi. Alors que le Super R-Type, cette Super NES, qu'est-ce qui ramait ? Alors, pour sa défense, le R-Type PC Engine a quelques ralentissements. Mais alors, il met la misère à toutes les versions. Moi qui ai joué R-Type sur Atari ST, c'était autre chose. Alors, attendez, faut que je boive un truc là, parce que je commence à me dessécher le poireau. On arrive sur autre chose. Parce que... La PC Engine sort avec une version donc toute blanche, ensuite t'as la Core Graphics avec un meilleur signal vidéo, puis la Core Graphics 2 avec je crois encore un meilleur signal vidéo, puis ensuite t'as l'extension CD qui sort, puis l'extension CD 2 qui du coup se branche à l'arrière, et puis ensuite il commence à sortir des consoles duo qui font cartouches et CD dans la même console, mais il faut quand même avoir les petites cartouches de firmware pour passer les CD, sinon si tu la perds, tu la perds. Ils finissent même par faire des jeux qui ont besoin d'une carte d'extension de RAM dans le port cartouche quand tu mets le CD-ROM pour que le jeu soit encore plus énervé, et donc là la console devient dopée. Ils sortent une version un peu bizarre qui s'appelle la PC Engine Shuttle, qui ressemble à un vaisseau de Star Trek. Et dans la foulée, les mecs se disent sortons une nouvelle console. Genre il y a 6 fois la même version de la console, 6 fois différentes, il y a 6 versions différentes de leur console de base avec l'extension CD qui fait que elle tient la dragée haute, t'as une Super NES quand tu veux quoi. Bien sûr sauf en termes d'offres, et puis il y a pas les jeux Nintendo et tout ça. Mais vous avez vu que c'est quand même cohérent, surtout avant la Super NES. Et avant la Mega Drive. Et devant le Mega CD, alors là, qu'est-ce qui valait le mieux entre la Ludothèque CD et Mega CD, enfin Super CD-ROM et Mega CD, rien à voir. Mais les mecs se disent, on va sortir une nouvelle console, plus puissante, mais du coup sans CD. Donc on retourne au son généré par la console à la volée. Et par contre, on va pouvoir faire des jeux plus énervés avec plus de sprites, plus de zoom, une plus grande fluidité. Des jeux un peu plus énervés en termes de scaling aussi. Donc l'espèce de le système de zoom que vous avez eu dans les jeux pseudo 3D, à la Afterburner et tout. Et donc là, un des jeux... Alors faut savoir que cette super donc la console s'appelle la Super Graphics. Là où je voulais en venir. La Super Graphics... Donc version énervée, hyper chère. Là, on parle d'une console en import, elle coûtait 2500 francs.
2500 francs dans les années 90, c'est presque 1000 euros. C'est ce que je veux dire. C'est, on doit être à 800 euros la console, quoi. De nos euros d'aujourd'hui. Et les mecs se disent, et donc, ça permet des portages un peu plus fidèles à l'arcade de gros jeux, et notamment, un des gros jeux, c'était Ghouls and Ghosts. Alias, la suite de Ghosts and Goblins, alias, donc, Dai Makai Mura. Et, voilà, donc du coup, on va le lancer, enfin. Je vais fermer ma grande gueule. Et quand on lance Dai Makai Mura sur cette console qui a coûté 2 à 3 fois le prix de la console de base, toujours avant la sortie de la Super Nintendo, d'ailleurs c'était censé un peu le contrer si tu veux, préparer la sortie de la Super Nintendo, se mettre à jour, la console a pseudo bidé, elle coûtait une véritable fortune, pour finalement un rendu des couleurs assez pauvre, malgré une très grande fluidité des jeux, et la console a tellement bidé qu'elle aura, je crois, 8 jeux ou 6 jeux, un truc comme ça, genre la ludothèque entière de la Super Graphique, c'est 6 jeux. Donc même si vous achetez cette console qui coûte encore assez cher aujourd'hui, le full set, c'est 6 jeux. Alors par contre, elle est rétrocompatible avec les jeux cartes, mais du coup, il n'y a pas d'extension CD, donc c'est vraiment foutre l'argent par les fenêtres, quoi. Ça, dans les années 90, le SMIC était à peine 6000 francs, donc... Ouais, on va dire... Non, j'ai 10 000 euros, ouais, c'est plus près de 600-700 euros, quoi. Ah ! Mais imaginez, quoi, c'est genre... ça coûtait une absolue fortune. Et là, tu vois, on a beau être en sprite un carré, en pixel carré, il y a du blur bizarre sur les personnages qui se déplacent. Donc, bon, Ghouls and Ghosts, on le présente plus, le jeu, hein, c'est... Alors, par contre, cette version est d'une fluidité à toute épreuve. Finalement, peut-être un peu plus fluide que la version Mega Drive. Alors moi, j'ai joué sur la version Master System et depuis ma... Bah, là, faut bien enlever le turbo quand même pour charger les coups dorés. J'ai joué sur la version Master System, donc assez dégueulasse avec des sprites pirikiki. Et en plus, sur ma Game Gear, avec le Game Master, donc les sprites étaient encore plus rikiki et tout flou. Donc là pour moi ça c'est la version de luxe du jeu, mais la version arcade est quand même plus belle. Donc tout ça pour finalement avoir quelque chose. Je suis franchement en s'énervant un peu, je suis sûr que sur PC CD ils auraient pu sortir une version quasiment pareille, quoi. Je sais même pas s'il y a la difficulté adaptive par rapport à la version Mega Drive. La version Mega Drive pour moi reste la console de la version de salon de Ghouls and Ghosts la plus stylée. Alors le truc c'est que Ghouls and Ghosts c'est un jeu, quand tu le taffes, t'es invincible dessus, mais alors quand tu reviens, comme une fleur dans le jeu, c'est Dark Souls. Hein. Voilà, transforme-moi en papy, putain, mais je déteste ma vie. Tellement la cruauté. D'ailleurs la suite quasi officielle de ces Makai Mura sera les jeux Maximo sur PS2, vous connaissez peut-être. Yeah. Tu peux m'éclairer, quand j'étais petite j'avais une console qui ressemble à la Mega Drive et il y avait deux jeux, Street Fighter 2 celui-là. Mais c'était peut-être la Super Graphics hein, sur laquelle tu t'étais perdu. Bref, retour. Parce que en fait le truc, le pire en plus, c'est que NEC, 3 ans après la sortie de leur PC Engine de base avec les petites cartes, ils sortent cette Super Graphics pour la remplacer tout en continuant de sortir des jeux en cartouche de base. Qui fonctionne comme en 40 sur les consoles de base et des jeux CD qui fonctionnent sur l'extension CD de la console de base. Donc au final, ça donne vraiment pas envie de remplacer la console, la console n'est absolument pas supplantée, même si les anciens jeux cartouches fonctionnent sur la nouvelle console. Alors, attends, mais c'est... Ah mais c'est peut-être mais c'est bizarre parce que j'avais calculé la Turbo GT à 600 euros en inflation, justement. Alors qu'il me semblait que c'était 2000 francs. Non, ça, mais c'est, elle devait coûter presque 3000 francs alors. Donc là par contre Valkyrie, jeu très très sympathique, avec des effets de perspective dingue. Un jeu Namco assez célèbre d'ailleurs, en arcade. Alors là, regardez, je bourre tellement le turbo qu'en fait,
Mes tirs, ils arrivent même pas au bout du slip, quoi. Et là, c'est un jeu tout mimou. Avec une petite héroïne qui tue des méchants ogres. Ils envoient dans le Valhalla. Avec en plus un scrolling dans tous les sens. Et ça, eh bien, ce n'était pas rien déjà à l'époque, souvenez-vous. Dites-vous que sur NES, il fallait un processeur intégré à la cartouche de Super Mario Bros. 3 pour avoir du scrolling en diagonale. Hein. Et oui, faut pas prendre tout pour acquis. Hein, Mais du coup, les petits effets de profondeur, de saut, etc. Mais ça suffit, gredin, t'es en train de fouetter un enfant sous mes yeux. Vilain! Donc là, on est de retour sur la console de base, sauf que les mecs commencent à bien gérer, quoi. Et ce jeu-là, il a surtout une belle liberté de mouvement pour l'époque et un univers assez sympa. Et d'ailleurs, cette Valkyrie, elle fera des apparitions notamment dans Namco X Capcom et dans d'autres jeux. Bon, le sprite des gobelins est assez dégueulasse. Un dresseur de femelles. Putain, mais vous rendez fou là! Wow! Mais cette violence! Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas les mêmes arbres que dans Ah Evil Dead. Alors je vais peut-être aller rendre visite à cette tante. Oh là là, je peux acheter quoi? Je vais acheter ça alors. Pourquoi ce vendeur a un nez crochu et très long? Ah voilà, bon par contre là on commence à parler. Ah, t'as vu c'est mignon, elle se fait exploser. Enfin elle est toute aplatie. Je vais passer en turbo 2 parce que sinon le jeu est trop énervé. Donc là je triche plus ou moins, mais bon. Et là regardez, attention, la perspective va vous donner le vertige, parce qu'en fait là je suis sur des piliers géants et je suis dans le ciel en fait. Faut comprendre que là, voilà, la forêt, tu vois, elle est en contrebas. Là je suis tombé. Et il y a une espèce de mauvais zoom. Bref, c'était Valkyrie. Alors, retour sur Super Graphics, parce que, en fait, c'est pour vous dire l'effort qu'ils ont fait dans cette PC Engine, parce que là, on le prend pour acquis, parce que là, c'est comme ça, là, les jeux, ils sont disponibles, tu les lances comme en 40 sans comprendre la chance que tu as. Là, on a déjà joué pour 2000€ de jeux vidéo. Et c'est là où, par exemple, tu vois, par rapport à la PlayStation Mini, quand elle sort, c'est que des jeux qui coûtent 10 balles. La NES Mini, bon, il y a quand même des trucs assez dingo. La Super NES, pareil. La Neo Geo, bon, là, c'est du jouer carrément avec 10 000 euros dans tes mains. Mais là, ils auraient pu se contenter de mettre les jeux UCard les plus populaires et les plus simples à émuler et qui prennent le moins de place. Et puis, c'est marre, tu vois. Et de bien travailler leur émulation. Mais non, ils émulent finalement trois systèmes différents. Ils te proposent la console différente, la Super Graphics, c'est pas la même console. C'est vraiment la version. C'est comme la Mega Drive. C'est comme si t'avais. C'est comme si la Master System. Comme si la NES Mini, elle avait des jeux Super NES. C'est vraiment un bel effort qu'ils ont fait. Alors certes, ils auraient jamais sorti une Super Graphics Mini tout court, toute seule, surtout avec 6 jeux sur la console. Mais ils auraient très bien pu dire niquez vos mères, on fait comme si ça existait pas. Donc là, on va jouer à Aldines, un jeu qui doit coûter. C'est ça. Je vais regarder sur eBay tout de suite là, sur eBay.com, et on va regarder combien coûte Aldines sur Super Graphics. Voilà, 450€ en boîte.
Donc nous sommes en 2020. Alors d'un côté ça me rassure qu'il y aura au moins 3 plans de scrolling sur les nuages en 2020. Par contre, voilà, c'est la guerre. Donc Eldiness, shoot them up, tirant parti des capacités de la Super Graphics, et je trouve qu'ils se sont tellement concentrés sur le fait de mettre les FX qu'elle gérait, comme le parallaxe, les zooms, tout ça, que finalement, enfin le scale, donc les vrais zooms, que finalement on se retrouve avec un mauvais jeu Mega Drive, qui en plus se permet de ne pas être si... pas très beau, assez triste au niveau des couleurs, et qui pourtant sur une console qui coûtait 3 fois le prix de celle de base. Donc là on a joué à des jeux en UCARD, donc sur, souvenez-vous, donc sur la console de base qui avait déjà 4 ans quand celui-là sort, sur lesquels on a joué à Super Soldier Blade que vous avez vu tout à l'heure. Alors il y a un système de bouclier assez cool, mais enfin soyons sérieux 5 minutes quoi. C'est beaucoup moins séduisant que quasiment que tous les autres shoots auxquels on a joué. Je préfère même jouer à Darius là. Mais ce jeu coûte 450 balles! Et pour le côté historique, pour le côté inédit, pour le fait que ce soit un petit peu, eh bien, l'exclu de la Super Graphics que vous n'aurez jamais de toute façon physiquement, eh bien, ils te la mettent. Ils te la mettent en officiel avec une émulation de très très bonne facture, on me rappelle, dans ta PC Engine Mini. Donc là, en termes d'effort, c'est. Ça vaut le Castlevania, tu vois. Non, mais en 91, la Super Nintendo va sortir. Enfin, elle est sortie. Alors, tu vois, en fait, le jeu, il a pas de gros défauts techniques. C'est juste que, finalement, il y a mieux sur la console de base, sur Mega Drive, sur Super NES. C'est pas un super, super shmup. C'est comme les... on n'est pas non plus au niveau d'Androdunos sur Neo Geo, qui est vraiment la honte, mais presque. En tout cas, ils ont fait des trucs de ouf. À côté de ça, regardez, c'est ça, là on était sur une console super chère. Retour sur la console de base avec le CD-ROM. Et là, Spriggan. Enfin, Senshi Spriggan. Donc là, on retourne sur la puissance de base, mais avec le CD-ROM. Et là, Spriggan, il pose bien ses grosses roubignoles sur tes yeux. Ouais, bon, la Piuta c'était très bien apparemment. Alors il y a du lore hein, parce que faut pas croire que les shoot'em up c'était voilà, il y a un vaisseau qui sauve la Terre et puis basta. Non, non, beaucoup de ces jeux ont un lore, ont des fandoms, avaient des artbooks. Là, voilà, tu mets ton petit CD, tu t'ambiances là-dessus. Sur les micros de l'époque, notamment l'Amiga, pour avoir des intros comme ça, il fallait soit avoir 3 disquettes rien que pour l'intro et attendre 10 ans que ça charge. Là, alors attention, depuis tout à l'heure, aucun jeu n'est en anglais, parce qu'on est sur le menu PC Engine, donc que les jeux japonais. Il y aura, on n'est pas encore passé du côté américain de la force. Spriggan ! Mais c'est vraiment, enfin, moi je trouve ça fascinant en fait, le fait d'avoir fait de l'animation dans les limites de ce que peut gérer l'affichage d'une console sorti en 87, vieille comme moi. Là, vous avez vu, il y a même un truc pour continuer, hein, alors que le jeu, c'est un shoot. Mais alors, quel shoot? Regarde, en plus, on a un pote et tout. La musique est énervée. Et donc là, je ramasse une bouboule rouge. Essayez de suivre. Je vais prendre 2 bouboules rouges. Ouah, merde, putain, je suis mort. Bon, j'ai 2 bouboules vertes. Et si j'ai 3 bouboules vertes, j'ai le super couvert. Et si elle est super couvert, il faut passer à table, MDR. Bref. Mais si je prends une bouboule bleue, en bas à droite, vous voyez, j'ai bleu, vert, vert. Et du coup, ça fait ce tir-là. Ça fait un espèce de bordel. Et si je prends jaune, bleu, vert, ça remplace. Et du coup, c'est comme ça. Et là, si je prends machin, en plus, ça fait une bombe.
Et du coup, là, j'ai la combinaison bleu, jaune, bleu, vert. Et là, si je passe en triple vert, en deux, en quadruple vert, on revient là-dessus. Donc, bref, vous comprendrez que là, le système d'armement de ce Trigan a comme originalité donc de te laisser faire ta tambouille pour savoir quelle combinaison tu préfères, sachant que le bleu, voilà, il y a plus des tortisseaux qui traversent l'écran comme ça, avec une animation dingue. On rappelle, là, on n'est pas sur la console plus puissante. Là, on repasse en jaune, bleu, vert. Bref, le système d'armement est très profond et à vous de savoir ce que vous préférez. Donc là, on est en rouge, jaune, bleu. Donc, c'est-à-dire gros missile au milieu de la map plus bouclier qui tourne autour. Je rajoute un peu de vert. Donc on est en vert, rouge, jaune. Ça fait des gros missiles sur les côtés. Et ainsi de suite. Et donc là, voilà, il n'y a plus de limite. Je rajoute du bleu, donc je reprends mon bouclier. Mais en plus, maintenant, j'ai des boules de feu, j'ai des missiles homing. Et regardez le nombre de sprites à l'écran! Et le jeu qui ne bronche pas! Et en plus, c'était pas. Voilà, c'est pas un jeu. C'est un jeu qui est inédit sur la console. Et qui envoie vraiment du steak. Là, maintenant, j'ai du homing bleu. Donc, on va rester là-dessus parce que c'est assez cool. Je vais mettre en turbo 3 pour en envoyer 10 fois plus. Et puis là, on est bien. A vous de savoir ce que vous aimez. Je vais prendre bleu. Et rebleu, voilà. Et encore bleu. Voilà, là on est en triple bleu. En triple bleu, en triple bleu. Une partie de Scrabble bleu. Vous avez vu à quelle fluidité avec le décor qui défile sous les nuages et tout. Ça, c'est des jeux qui ne vieillissent pas alors qu'on n'est pas sur une 16 bits. Malgré l'appellation TurboGrafx 16 de la version américaine dont on va parler tout à l'heure. Mais du coup, ce jeu-là, voilà, il prend pas une ride. Il est toujours bon, on se bute tout le temps. Les sprites sont beaux, l'univers est bon, il y a un bon lore. La musique. Bon, la musique, ça fait bling bling tout le temps, mais bon, ça fait bim bam boum. Oui, bien sûr, il y a un des pros qui est 16 bits, mais on n'est pas sur une architecture 16 bits comme les consoles de l'époque. C'était un petit peu l'entourloupe qui permettait de l'appeler TurboGrafx 16. Pouah, mais ça parle quand tu tues les boss. Et regarde, le jeu a pas le temps, claque, on change. Mais oui, côté hardware, en fait, c'est une sacrée machine qui cache bien son jeu. Mais qui est censé se coucher devant un Amiga, sauf qu'elle est vraiment spécialisée dans sa gestion des sprites sans clignotement, pas sans limite bien sûr, mais par contre il y en a quand même suffisamment à l'écran, comme vous pouvez voir, hein. Rien à côté de la Neo Geo, mais en même temps la Neo Geo avait besoin des sprites pour faire le background. Donc c'est encore une autre histoire. Regardez, là j'ai encore un autre système d'armes. C'était dingo. Bref, le jeu. Trigan, c'est un jeu notamment que Dorizon m'a fait pas mal découvrir. Je connaissais pas trop son système d'armement, ce que je vous dis. En fait, l'une de mes grosses lacunes vidéoludiques, ça reste quand même cette Ludo PC Engine. Et donc cette PC Engine Mini arrive à point. Parce que même si depuis j'en ai acheté pas mal des jeux, s'équiper en PC Engine, c'est toujours une gageure. Même si on m'a offert une Duo RX, la dernière version de la console Duo qui fait CD et cartouche à la fois, sans avoir besoin des cartes de firmware. Pour lancer les CD, mais c'est pas pour autant que j'avais tout à coup un milliard de jeux, quoi. D'ailleurs, il y a eu quelques jeux français, notamment Jim Power, mon jeu préféré de la Terre, mais dans la version PC Engine, a les meilleures musiques, mais le pire gameplay. Parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a eu quelques. Comme la console est aussi sortie aux États-Unis, il y a eu quelques jeux exclus américaines, et même des jeux européens tirés du catalogue. Depuis des développeurs micro, donc on peut trouver des jeux comme Imposamol, bizarrement, qui semble tellement hors de propos sur une console si japonaise. Bref, le jeu défonce sa race. Qui joue encore à ces jeux à part toi? Bah justement, en fait, c'est. Là, vous avez. En fait. C'est l'un des trucs. Regardez, on n'a pas fini de tester les jeux japonais. C'est long.
Mais du coup, un des trucs à voir, c'est que effectivement, c'est un des trucs qui va ressortir sur cette console. C'est tout simplement que. Oh, les X sont cool quand même. Hein. Donc 91, avant Zelda 3, sort Newtopia 2. Et vous allez voir, ce qui est incroyable, c'est que les mecs n'ont pas joué à Zelda 3 et t'ont fait un Zelda 3 like exclu sur leur petite machine. Et je suis déjà mort, c'est Dark Souls un peu? Non, c'est. C'était un rêve. Avec de la distorsion! Alors que normalement, seule la Super Nintendo était censée pouvoir imiter la réalité et la distordre. Non, Toto, c'est pas de, c'est de l'émula, c'est de la vraie émulation software, c'est pas du FPGA, faut pas déconner. T'es fou, quoi. Mais ce jeu est sorti avant Zelda 3. Et c'est là que c'est impressionnant. Sur une console de 87. Commencez à voir le délire. Commencez à voir en fait le côté inédit de cette console qui, certes, se suffisait pas à elle-même parce que le marché allait tellement vite à l'époque. Mais quelle belle pièce! Et ça, vous pouviez y jouer sur votre console portable à l'époque, avant Zelda 3. Et là, du coup, l'évolution par rapport à Zelda, à Newtopia 1, qui imitait vraiment Zelda 1, eh bien, ce Newtopia 2, lui, eh bien, respire. On peut taper en diagonale. Il est d'une super fluidité. Il est un peu plus, il est beaucoup plus détaillé graphiquement. Ça, c'est un peu le village du début d'ailleurs. Alors, on n'a pas le temps de parler à tout le monde parce que j'ai pas encore fini le 1. Mais être trop en avance, ça paye pas forcément. Surtout, la console est très mal distribuée. Hein, c'est pas Nintendo et Sega. Par contre, elle posait ses grosses couilles. Et pour les initiés, bah oui, c'était un peu l'Eldorado. Alors, bon, par contre, il y a carrément des auras quoi. Au niveau des sprites, par contre, ils faisaient pas semblant d'être inspirés par Zelda, quoi. C'est-à-dire que le truc là-bas derrière, on dirait littéralement un Moblin, quoi. La musique, par contre, est énervée. Mais ouais, pour moi, c'était une console dans les magazines, à la télé, et c'est à peu près tout, quoi. Et ce qui est drôle, c'est une anecdote que j'ai racontée, c'est qu'il existe un jeu Nicky Larson sur cette console, alors qu'il n'est pas disponible dans la PC Engine Mini pour des raisons, je pense, de licensing, et puis c'est pas non plus du tout le meilleur jeu de la console, mais du coup, il y avait un jeu Nicky Larson dessus, et un petit peu vers 93-94, quand il est évident que la PlayStation va arriver d'ici un an ou deux, j'ai un pote, le pote un peu mytho du coin, qui me dit, mon cousin, il a la PlayStation. Elle est petite, elle est grise, elle est comme j'ai vu dans les magazines. J'ai fait, mais non, t'es ta gueule, Jérémy. Il me dit, mais si, et j'ai Nicky Larson dessus. Je fais, mais n'importe quoi. Il me dit, si, et Nicky Larson, je te jure, même que quand il tire, il a un mouvement de recul trop ridicule, c'est vu de côté et tout. Et donc, je gardais en tête ce mytho quand même dans un coin de ma tête. Jusqu'à ce que je découvre, facilement plus de 5 ans plus tard, sur Game One, qu'en fait il disait la vérité, mais qu'il parlait de la PC Engine, et qu'il y a bel et bien un jeu Nicky Larson sur PC Engine, que j'ai pas acheté d'ailleurs, que j'aurais dû acheter lors d'un hard loot, qui correspond bel et bien à la description qu'il m'a faite quand on était en primaire. Mais là, rien que la fluidité, l'aisance avec laquelle tout ce bordel est géré, le fait qu'il y ait... Alors en fait, c'est marrant, c'est que Newtopia, le 1 du moins, je sais pas comment il fait articuler le 2 encore, Newtopia 1, t'as un overworld au début, et quand t'as fait les deux premiers donjons, tu débloques un deuxième monde avec des crevasses dans lesquelles tu peux te téléporter à l'infini, enfin faire des allers-retours entre les mondes, et après tu débloques le monde de l'eau, et dans lequel il y a deux autres donjons, et ainsi de suite. Et du coup, ça permet d'explorer la map, mais pas trop. Et ça reste un jeu qui te prend plus, beaucoup plus par la main que le premier Zelda d'ailleurs. Alors certes, Zelda 3 est un peu mieux produit, mais on est sur une console qui est aussi vieille que l'arrivée de la NES chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout,
aucun jeu Amiga mettait la dragée haute, mettait la pile à ça, quoi. Retour en Ucard. D'ailleurs, là, il y a des jeux japonais en japonais, mais la version core graphique que je possède, que Konami m'a envoyé, la PC Engine Mini, a quelques jeux différents, notamment au Japon, il n'y a pas Salamander, qui s'appelait Life Force chez nous sur NES, qui est un des meilleurs shoot'em up de la NES d'ailleurs, Jobla 2, très très bon, auquel on va jouer dans deux secondes. Mais là, par contre, la version PC Engine, c'est à côté, c'est la version méga luxe. Hein. Mais sur la version japonaise, il y a Tengai Makyo 2, qui est historiquement un peu le premier triple A japonais, avec des grosses cinématiques, des gros dialogues, des grands retournements de situation, un grand RPG dans l'univers donc de Far East of Eden, qui est hyper culte au Japon, qui a eu plein de spin-off, notamment un jeu de baston sur Neo Geo, et qui du coup n'est pas disponible sur cette version européenne de la console. Donc Gradius, le cultissime Gradius avec sa musique, avec eh bien sa série dédiée à la parodie de Gradius qui s'appelait Parodius, que vous avez peut-être connu. Et donc si vous connaissez pas Gradius, c'est le B.A.B.A. La petite musique qui va bien, et son système d'armement qui a fait les beaux jours du coup de Konami. C'est-à-dire qu'on tue une vague d'ennemis, on récupère un bonus, et du coup c'est à toi de stack les bonus et ensuite d'appuyer sur le deuxième bouton pour savoir lesquels tu vas utiliser. Tu vois, là je vais utiliser un speed up, clac, et si je tue celui-là, clac, voilà, là j'ai droit à trois trucs de bonus, je vais activer les missiles, et du coup maintenant j'ai un speed up d'avance, mais avec un seul speed up là je suis à peu près assez rapide. Et du coup, là, si je veux les lasers, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, il faut que je stack encore un autre bonus, sachant que si je meurs, je perds tout. Donc, c'était le risk-reward très, très addictif de l'époque. Et la musique. Voilà, bon, le laser, lui, il nique tout. On a les missiles. Le laser fait un peu mal aux oreilles. Le prix officiel de la PC Engine Mini, c'est 110€, quoi. En soi, les shmup horizontaux, ça, ce serait presque l'occasion de tester le stretching de l'image maximum. On va tester sur Life Force. Là, j'ai une option. L'option, c'est en fait un satellite. Hein. Non ! Et regardez quand on meurt la cruauté du jeu ! Et voilà, on est un tas de boue. C'est la galère. Donc en fait, c'est des jeux, soit tu les perfectes, soit tu galères ta vie. Tiens, et du coup, on va commettre l'irréparable. Jouer à Salamander en stretché sur le 16-9ème. Donc Salamander qui est finalement... qui est pas Gradius 2, mais plus ou moins. C'est pareil, genre... y a tellement des petites histoires dans la grande histoire... Ça rend dingo. Moi, je suis très fan de la version NES. D'ailleurs, c'était un jeu où il y avait le Konami Code. Hein. Il n'y a pas que Contra, et il était aussi dans Life Force. Et là, les musiques se trouvent encore plus stylées. Et vous retrouvez... Oh putain, par contre, le stretch, il fait trop mal aux yeux, quoi. J'ai l'impression que les trucs font 10 km de long, quoi. Et que c'est impossible surtout. Oh là là, je suis trop perdu, c'est immonde. Alors les musiques, en plus je suis très attaché aux musiques NES, même si le petit côté bourdonnant de la PC Engine a son charme, hein, et que la version NES, elle avait le problème de clignoter dans tous les sens. Genre vraiment, il y a rien qui allait. Enfin, l'affichage de la NES, de toute façon, il est basé sur les clignotements pour s'en sortir. Hein, sinon, c'est l'enfer. Donc on s'y faisait, hein, la NES, hein, elle a son charme, elle a son cachet. Hein. Ouais, donc on récupère toutes sortes de level up. Donc c'est pas exactement le même système d'armement.
mais on reconnaît la patte. Mais par contre, ce stretch là est de l'enfer. Ah, le jeu il est dégueulasse. En fait, on voit que c'est pas fait pour être affiché. Enfin, là, j'ai en plus le nez collé à l'écran. Il y a quelques ralentissements parce que, comme vous voyez, le jeu il envoie quand même des trucs assez fat. Le premier niveau en plus se passe dans un intestin grêle. Bref, on va tout de suite remettre le truc de base. Parce qu'en fait, il y a Super Gradius aussi dans la compile. Des fois, qui ont manqué de shoot'em up. Hein. Mais bon, ils mettent des jeux cultes, hein, donc pourquoi dire non, quoi. On a Super Momotaro Densetsu. Ce serait bien qu'il y ait l'année des jeux. Ben, en soi, bon, allié quand tu lances le jeu. En fait, techniquement, ce que je peux faire, c'est moi-même super scaler le rendu 1-1 de l'écran. Alors, c'est un peu con de faire ça, mais ça vous permet d'avoir moins de shimmer, même si la résolution de la console est. Est quand même suffisante. Donc, Momotaro, basé Momotaro sur cette légende de mon slip. Et le jeu va bien sûr ambiancer toute la terre entière, hein, quand vous allez découvrir ça sur la PC Engine Mini. Alors encore une fois, hein, les japanophones seront peut-être saucés. Je teste aussi l'accessibilité de cette console et la viabilité de cette console sur un marché européen. Vu que c'est la console qui sort chez nous. Vous voyez que ça, on est dans... l'énigme, quoi. Oui. Autant vous dire que voilà, à l'époque, fallait pas commander ce jeu-là sur un malentendu. Mais la preuve qu'il n'y a pas que des shoot'em up et que je suis assez mauvaise langue. Par contre, voilà, un jeu qu'on connaît bien, c'est Ninja Ryukenden, alias. Le premier Ninja Gaiden, attention, pas le premier Ninja Gaiden de l'arcade, le premier Ninja Gaiden, comme vous l'avez connu sur NES, qui chez nous s'appelle Shadow Warrior, auquel on a déjà joué d'ailleurs, il me semble, directement sur ma NES. Et là, Ninja Ryukenden, donc un jeu Tecmo, mais qui sort en 92 sur cette console en cartouche. Et je rappelle que tous ces jeux fonctionnent sur... Tous les jeux avec la petite carte fonctionnaient sur les consoles portables de NEC, notamment la PC Engine LT, qui était la version la plus luxueuse, avec directement tuner TV intégré. Donc tu pouvais regarder la télé, t'avais ton propre écran, t'avais cette qualité-là, l'écran se repliait sur lui-même comme une GBA SP, mais à l'époque, hein, 10 ans avant. C'était vraiment la dinguerie, hein. Et ça coûte aujourd'hui, la console elle coûte à peu près entre 2000 et 3000 euros. Oui. Alors que la GT coûte plutôt entre 500 et 600 euros. Bon, alors là c'est en Jap, mais bon, c'est Ninja Gaiden les mecs, hein. Alors le truc c'est que la version PC Engine de Ninja Gaiden, c'est plus ou moins juste la version NES avec plus de couleurs et moins de répondants. Et les musiques moins bien. Parce que les musiques NES du premier sont tellement incroyables. En fait, le jeu, il a pas exactement le même contrôle sur les sauts. Et là où le jeu NES est quasi parfait, bah cette version NES, en fait, elle, on dirait un petit peu comme... elle me fait le même effet que le portage Mega Drive du... Malgré l'espèce d'effet des immeubles qui défilent au loin, là, hein, je sais que c'est beau et tout. Mais en fait, il y a trop de couleurs sur les sprites, du coup, en fait, il ressemble pas à grand chose. Tu sens que c'est fait quand même de façon un petit peu bizarre. Je savais pas trop quoi faire avec les sprites NES. Et en fait, on se retrouve avec cette espèce de jeu qui a l'air d'être mal porté, en fait, simplement. D'être pas pensé pour la console. Ça fait d'ailleurs le même effet quand vous jouez à la compile Ninja Gaiden sur Super Nintendo. Hein. J'ai juste l'impression d'avoir des jeux NES. Trop mal déguisé en jeu Super NES. Et là c'est pareil, c'est un jeu NES mal déguisé en jeu PC Engine et qui en plus est plus lourd à jouer que le jeu NES, parce que c'est un des jeux qui a le plus d'input lag d'ailleurs de la console. C'est pas la console qui a un input lag, hein, c'est que Ninja Ryukenden sur PC Engine à l'époque est moins réactif que la version NES.
Malgré, comme quoi, hein, la supériorité technique ne fait pas la supériorité ludique. Et c'était un jeu qui était vraiment parfait sur, sur sa machine d'origine. La preuve, hein, parce que Ninja Gaiden sur NES, c'est 100 fois mieux que Ninja Gaiden en arcade. Hein. Donc il y a des petits effets et tout, mais en vrai, Ninja Gaiden, il y a une très bonne version NES, une très bonne version Game Gear, une très bonne version Master System. C'est un peu triste pour cette version PC Engine, mais qu'elle mérite d'être là, parce que bon, c'est Ninja Gaiden 1 quand même. Et il y avait les fameuses cutscenes qui étaient aussi sur NES, qui sont du coup là beaucoup plus belles. Avec ce fameux scénario là, tu te fais enlever et tout ça. Le fameux Ninja Guidon. Auquel on joue dans The Wizard. Tu vois, la musique là c'est pareil, je la préfère 100 fois sur NES quoi. Donc c'est... on va dire que ça fait partie des jeux, c'est bien qu'ils soient là pour le côté historique. Et certes c'est plus marrant à jouer que pour un... quelqu'un qui parle pas japonais que Momotaro. Mais malheureusement c'est vraiment pas le meilleur exemple de side-scroller sur la console. Parce que bah, sur NES il est mieux tout simplement. Mais par contre il me semble pas qu'il est sur la NES Mini, qu'il soit sur la NES Mini. Ou alors j'ai un trou de mémoire. Bref. Alors là par exemple, là je rappelle on est en sprite 1.1 pour avoir la meilleure qualité d'affichage sur les scrolling et tout, mais du coup les jeux sont un petit peu slim fastés. Alors en fait ce qui est drôle c'est qu'il n'y a pas Parodius dans cette ludothèque, mais il y a Star Parodier, qui est donc lui-même une parodie des shoot'em up de la PC Engine. Parce que Parodius c'était la parodie de Gradius avec une meuf qui dansait le French Cancan et tout ça. Et là Star Parodius c'est plus une parodie de Star Soldier sur CD-ROM, donc ça parle. Voilà, donc on a le vaisseau de Soldier Blade. Faut suivre hein, parce qu'il y a un lore pareil exotique hein. En fait, et c'est là où elle est intéressante cette Core Graphics Mini. Enfin, cette PC Engine Mini, c'est que c'est une vraie fenêtre sur toute une culture qui nous a échappé pour la plupart, même des gamers qui ont mon âge. Oh là là, mais il y a la même planète que dans Parasol Star. Ah ouais, là, il y a vraiment un lore indé, hein, et il faut vraiment être à fond dedans. Mais vous avez vu la qualité du son pour une console qui est... Le CD-ROM est sorti en 89. Le CD-ROM lui-même a 30 ans. Regardez cette sauce que c'était, la mise en scène de ces jeux. Et du coup, Star Parodier était une parodie de Star Soldier avec Bomberman. Et aussi la console elle-même si tu pouvais jouer. Oui, c'est la première console avec un CD-ROM Conquerax. Mais c'est tellement fascinant, toutes ces cutscenes à base de... Regarde. Toutes ces cutscenes à base de sprite et de limitations sur les couleurs et les trucs, ces cutscenes réduits à la résolution de la console, c'est si fascinant. D'ailleurs là, c'est pour ça que l'introduction de Dragon Ball Z sur PC Engine, qui hélas n'est pas dans cette console, mais bon là c'est Bandai hein, à tout le bordel, eh bien c'est dommage qu'elle soit pas dans la PC Engine Mini, mais l'intro de Dragon Ball Z sur PC Engine, c'est juste du divin. Regardez-moi l'effet de 3D, de perspective sur la piste. Ça sert à rien, mais c'était stylé de fou. Alors non, ce jeu a pas 30 ans.
L'extension CD-ROM de la console à 30 ans, donc la console sur laquelle il tourne elle a 30 ans, le jeu il a 29 ans. Non mais c'est trop fascinant. Et c'est pour ça que c'est une console qui a très bien vieilli finalement. Parce que mis à part la résolution, tu vois, qui fait que c'est un petit peu pixelisé, mais ça a un certain cachet non négligeable, ça bouge très bien. C'est super bien mis en scène. Alors des fois l'écran s'assombrit parce que tu touches pas la manette. Regarde, c'est une PC Engine qui est chargée avec Super Star Soldier. Donc on est vraiment sur une lettre d'amour à la console que t'as achetée. Et encore une fois, l'émulation est vraiment à la frame. On est à une frame près. L'émulation et l'input lag sont à une frame près. Donc il n'y a vraiment pas rien acheté. Et il y a 5 modes d'affichage différents suivant votre taux de tolérance à des choses qui sont inhérentes à la résolution elle-même de la console sur un affichage HDMI. Quoi. Genre qu'on peut pas vraiment régler comme ça tel quel. Et donc la Mini est distribuée par Konami, bien sûr, parce que Konami a racheté Ubisoft, etc., etc. Alors il manquera des jeux, hein, comme Final Match Tennis, effectivement. Donc tu vois, il y a le vaisseau de, souvenez-vous, Super Soldier Blade, la PC Engine, version kawaii, et Bomberman. Regardez cette intro de Shoot'em Up! Un scaling, un espèce d'effet là, de ratatinage digne de la Neo Geo. Donc est-ce qu'on joue Bomberman, qui a un beam des bombes et bomber, ou alors... Le Paralyzer, Caesar, ou la PC. On va jouer avec la PC Engine pour la respecter quand même. Alors là, je suis même pas en turbo, mais le jeu est turbo lui-même. Par contre, le jeu est d'une rapidité et d'une vélocité. Et l'avantage de ces Q'em Up, c'est que les trucs sont toujours gros et du coup, en fait, ça a vraiment un petit côté dessin animé que moi je trouvais fascinant à l'époque. Regarde, les ennemis, tu les tues même pas, ils affichent un petit drapeau et tout, ils abandonnent. Regardez la vélocité de ce jeu, quoi. Donc, c'est, parce que attention, qui dit shooter. Alors, le jeu est plus kid friendly. Mais c'est pas pour ça que c'est un shoot'em up au rabais. Et moi, j'aimais bien les sprites un peu grossiers, mais avec un vrai style cartoon. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Megaman d'ailleurs quand j'étais gosse, parce que en fait, ça ressemblait. Vraiment à du cartoon plutôt qu'à essayer de faire des vaisseaux hyper compliqués, des gros trucs destroy. Alors j'adorais les gros trucs destroy, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant quand les jeux essayaient de faire du design vraiment simpliste et cartoonesque. Parce que ça donnait quelque chose d'assez cute. Comme Bubble Bobble, Rainbow Island, et du coup. En parlant de Bubble Bobble, il y a le 2. Regardez, là, vous voyez ce que j'ai au cul ? J'ai l'extension CD-ROM 2 de la PC Engine, parce que je suis une PC Engine. Donc là, on est sur de l'inception. Hein. Regardez comment c'est kawaii ! Et oui, bien sûr, vous aurez remarqué que les... Oh, la Zik, elle envoie, quoi. Voilà, regardez, là le petit bonus, vous aurez reconnu, c'est les fameuses cartes qu'on met dans la console depuis tout à l'heure, virtuellement. Ça parle et tout, enfin bref. Là c'est pareil, genre le jeu, il est... On a envie de dire arcade perfect, mais c'est un jeu PC Engine. Et genre, il est d'une fluidité à toute épreuve. Les graphismes souffrent d'aucun défaut apparent qui pourrait gêner le confort de jeu ou quoi que ce soit. Il est dans son jus et il est magnifique et il est jouable aujourd'hui, quoi. Sachant qu'en plus, l'un des trucs qui était cool avec cette console et aussi la Saturn, c'est que les musiques des jeux sur les versions CD étaient en Redbook Audio. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que les pistes son, comme il n'y a pas de MP3 à l'époque, hein, on rappelle, hein, la compression numérique c'est une utopie. Hein. Donc en fait, les jeux sont vraiment. Eh bien, la musique des jeux est vraiment stockée en audio comme sur un audio CD. Donc comme une piste CD de base. Donc en fait, tu mettais le jeu dans ta platine et tu pouvais écouter la BO. Gratuit.
plutôt que de payer 15 balles de plus sur Steam pour avoir la BO du jeu que t'as acheté. Alors qu'un sound test avant c'était standard. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ça sur Saturn et c'était cool. Donc encore une fois, tu vois l'espèce d'effet de dégradé. Normalement, il est plus doux que ça parce que il y a un espèce normalement d'effet de tramage. Le fameux Dithering du Digital Bendy. Sur la PS1, ça dépendait vraiment des jeux, mec. Hein. C'était pas standard. Hein. Alors que sur Saturn, c'est 99% des jeux. Mais le jeu est d'une fluidité totalement dingue. C'est pour ça que j'ai tenu à streamer à 60 FPS. Parce que vous rendez bien compte que ça, sur une console qui a 30 balais, c'était assez inédit. Et en fait, c'est un des trucs qui marque la PC Engine. Hein, c'est, comme je disais, la propreté, la fluidité et les couleurs. Avant tout, ce qui fait que c'est une console qui vieillit extrêmement bien. C'est une des raisons pour laquelle... Et la Neo Geo qui coûtait 2 à 3 fois le prix de cette console et chaque jeu coûtait plus cher que la console elle-même, avait le même côté un peu parfait, arcade perfect, et très fluide. Mais bordel de merde, c'était prohibitif de fou, quoi. Et là, par exemple, on a joué à Spriggan. Donc vous dites... Et c'était la lutte, donc... Vous dites, putain, mais ils ont mis Spriggan 2. Et à côté, je sais que vous avez eu Snatcher. On va y venir. Et donc, vous dites, Spriggan 2, qu'est-ce que c'est? Donc, big up à Nazak. Est-ce que ça va être aussi autant énervé que Spriggan? En vrai, dans ma tête, c'est un peu mélangé. Donc là, tiens, par exemple, regarde, vous voyez bien là, cette espèce d'effet avec la Terre et tout? On va tout de suite reset le jeu. Parce que j'ai besoin d'un comparatif. D'ailleurs, le fond avec les lasers, c'est mon préféré. Je vais mettre le filtre des scanlines. Je vais mettre les scanlines. Pour que vous puissiez voir un petit peu plus ce que je veux dire. On va mettre l'affichage de base, en fait. Le 4 tiers normal. Non, ça va scroller dans le sens qui fait bugger. Voilà. Donc là, comme le jeu est à scrolling vertical... Le fait de jouer dans ce mode, ça devrait pas trop faire d'artefacting sur les scrolling. Et surtout, j'ai mis les scanlines pour que vous voyez, avec le flou artistique, l'espèce d'effet sur la Terre, le changement que ça va donner entre le tramage pour essayer de diluer une couleur dans l'autre à base d'alternance, hein, un petit peu comme tu utilisais le spray sur Paint, l'effet qu'en fait c'est censé rendre sur une console. Alors que normalement, même la qualité d'affichage est censée être un peu plus encore dégueulasse que ça. Et du coup, le flou artistique est censé être là, quoi. Bon, la musique, par contre, elle déchire. Hein. Compile. Et vous voyez tout de suite, le dégradé sur la Terre est beaucoup plus subtil. Parce que les consoles sont... À la base, je rappelle, la sortie de base de ces consoles-là, c'était pas un truc hyper progressif, hyper sharp. Ça a toujours été pensé pour être affiché sur une télé. Et globalement, 80% des gens jouaient avec un câble coaxial et du coup, ils jouaient là-dessus pour, quand tu faisais ton tramage à damier, ça crée vraiment une troisième couleur entre les deux que tu entrelaçais. Par entrelacement, justement. Par contre, faut régler sa télé. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu mets les scanlines, mais un petit peu comme quand tu mets la 3D sur une télé, mais un petit peu comme la 3D passive au cinéma, ça assombrit l'image, parce que bah oui, il y a une ligne sur deux qui est un peu grise. Du coup, c'est là qu'il faut bourrer la luminosité de ta télé. Ou le contraste. Pour, eh bien, récupérer de la clarté, quoi. The Law, ouais, pour moi, c'est l'une des meilleures avec la Super NES Mini, hein. Putain, mais cette intro qui déchire! Ouais, c'est le gamma que je devrais augmenter, mais... Ah putain, et là en plus j'ai fait... Le miracle de Noël, où là maintenant c'est bon, j'aurais plus le droit de changer, jamais. Alors je trouve que la musique est pas si dingue par contre. Elle est un petit peu low-key, alors que l'animation elle en peut plus, quoi. Donc là on est en 92, hein. Ça y est, 92, année folle. Hein. Tu lances le jeu, par contre, ça blablate. 92, on rappelle.
C'est pas... Là, ça y est, hein, t'allumes tous les compteurs, hein, à Noël, Sonic 2, Zelda 3... Mais du coup, qu'est-ce que fait la PC Engine en 92 pour se mettre à niveau? Des putains de jeux, c'est limite des animés, quoi. Et ils mettaient un budget de dingue sur la production de leur putain de jeu qui parle, avec des gros voice acteurs, un son de fou, une mise en scène de dingue, des graphismes genre... Certes, la console est limitée en couleur et en résolution, mais comme tu peux mettre autant de décors que tu veux dans un CD, bah du coup, tu peux créer des scènes avec comme ce genre d'animation très longue, quoi. Et les voix sont super propres aujourd'hui, alors que le jeu a 28 ans. Donc t'imagines, là, et tu t'ambiances sur un shoot'em up, hein, regarde, là on va jouer au jeu. Ah merde, putain, il a scrolling horizontal, je me suis fait baiser. T'avais dit vertical avant. Bon, visiblement le jeu est en auto-turbo. Bon, par contre, wow, les scrolling. Il y a Argus qui arrive en mode genre, ouais, accroche-toi, Tia, fais sauter cet engin et on rentre. En vrai, j'ai vraiment une préférence pour Spriggan 1. Putain, mais le jeu est super scénarisé. Quand je vous dis hein, que les shmup, à l'époque, c'était un peu les FPS de l'époque, quoi. C'est genre, c'était safe hein, de sortir un... On rappelle, un Doom est pas sorti. Donc, la phase du jeu vidéo, pour l'instant, un shmup, c'est très safe. Hein, et ah oui, on peut changer de... Ok, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi, à quoi je jouais. Il est tellement différent du premier. En fait, je crois que j'ai toujours pas testé depuis que j'ai la PC lignée, celui-là. Donc celui-ci a une mise en scène beaucoup plus lourde et un système de jeu gauche-droite un peu spécial. Par contre, techniquement, il envoie la max. Vous allez voir, c'est pas mon préféré dans ce genre-là. Mais par contre, le canyon et le défilement du canyon est très très stylé, quoi. Et autant il y a mieux sur Mega Drive, mais il y a bien pire. Hein. Putain, il motolock. Le gredin. Sachant qu'en plus, tous ces jeux, ils utilisent que deux boutons. C'est ça qui me fait trop marrer, c'est qu'il y a Select, Start, A et B comme sur une NES. Et les jeux, ils s'en battent les couilles. Et regarde, ça blablate et tout, c'est... Les mecs, ils sont en mode, ils ont vu Macross, ils en peuvent plus. Ils veulent raconter des histoires sur fond de mecs qui se battent dans des robots. Ce qui est plus japonais que que les sushis, quoi. C'est abusé. Mais je préfère Spriggan 1 aussi, parce que là, tu vois que les mecs, ils ont un lore à raconter qui intéresse qu'eux-mêmes. Mais vous imaginez l'ambiance? Genre les mecs, ça fait en 92, alors que le Mega CD peine à percer en France. Il y a des mecs, ça fait 3 ans, ils sont avec des jeux qui parlent, des grosses BO vénères, etc. quoi. Sachant que le Spriggan 1 était déjà totalement super beau avec son système d'armement très inédit. Et là, tu sens que c'est... Ezio. Moi qui aime pas trop les jeux qui interrompent leur gameplay. Dites-leur que Greg vous envoie... Que c'est Greg qui vous envoie en enfer. Miro, Spriganga. Spriganga. Darada, Spriganga ni notte iru no wa. En fait, si ça se trouve, là je joue qu'à l'intro et après je vais avoir un truc vénère. Argus! En fait, là vous voyez pas ma réaction, mais je suis genre circonspect quoi. Le jeu il.
Mais c'est trop, il y a trop d'acting quoi. Quand on vous dit que ouais c'est sur cette console, il y a vraiment eu des triple A quoi, et genre la production des jeux t'as coup maintenant, t'as besoin d'acteurs, t'as besoin de mecs qui vont dessiner des cutscenes, d'animateurs issus du cinéma, etc. quoi. Ça, tu peux pas passer le truc quoi, c'est un truc de fou. Ah, mais ces deux potes là, mais niquez-vous! J'essaie de tuer les deux sbires, mais. Le jeu qu'on peut plus. Le sprite du laser il déconne un peu, ouais. Ah, ok, d'accord, t'appuies deux fois sur start et puis ça passe. Oh, il se barre au loin. Wow, what the fuck? J'ai jamais aimé moi les shmups devant derrière. Attends, mais je suis mort. Ah non, je racontais ma vie là. Pouah, mais le jeu. En fait, je suis très curieux de voir jusqu'où ça va aller quoi. Tu vois, j'ai l'impression de regarder ma cross plus quoi. Les designs sont très très racés aussi hein, parce que souvent ils se payaient les services de mecs mais comme je disais hein, issus d'animation au chara-design pareil pour les voix. C'est pris très très au sérieux. Là, j'ai appuyé sur start. Et par contre toi ouais, c'est vie ma vie de trooper ranger là, c'est un peu bizarre non? Tu es un Spartan, Harry. Du coup, il est très intéressant ce jeu. Mais si du coup il va avoir besoin d'un peu d'amour. Et bien sûr, ils n'ont pas eu le temps de vous traduire des jeux qui n'ont jamais été traduits officiellement pour vos beaux yeux, sachant qu'ils ont déjà mis la max en termes de jeux disponibles. Et on n'a pas fini. Par contre là j'ai bourré le gamma, j'en prends plein les yeux. Bougez pas parce que là... Je veux aller dans mes réglages. Oh attendez, ah putain. Je relance le truc, t'inquiète. Attends, mais règle centrale, c'est pas éteint, donc en fait, c'est chiant. Ta gueule, là. Je suis en gamme étendue pour Final Fantasy, mais voilà. Là, on est sur le truc de base. Et on est avec les sprites carrés. Voilà. Du coup, on a Snatcher. Tu vas pouvoir parler. Alors lui, par contre, tiens, on va se le mettre en max parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est vraiment purement visuel. Donc Snatcher, vous en avez entendu parler. C'est le visual novel de Hideo Kojima qui pompe allègrement Terminator et Blade Runner au point que on peut dire qu'on est dans le plagiat. Si Snatcher était un film, il n'aurait pas le droit d'exister. Donc on peut parler de plagiat. Oui. Ben non, mais ouais, genre, on est bien. Putain, c'est très contrasté cette histoire. Mais pas de version anglaise. La version anglaise restera
réservé au Mega CD. Parce que sur Mega Drive, est-ce qu'ils ont mis des jeux CD? Absolument pas. Alors qu'ils auraient pu mettre Snatcher en anglais dans la mini Mega Drive. Et comme ça, la vie aurait été belle. Et en fait, non. Donc, on est bon pour jouer à Snatcher. Alors là, attention, hein, le jeu il va piquer. Est-ce que je l'ai étalé tel du beurre sur une biscotte trop grande sur mon écran. Mais voilà. Et du coup, on peut s'amuser à blabla avec les gens autour de nous dans le monde incroyable de Snatcher. En japonais. Et s'amuser du coup à cliquer partout. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Snatcher, donc c'est un visual novel. Donc c'est un jeu où il y a des décors. Mais qui parle ! Et là c'est la classe. Et c'est super bien enregistré. Et du coup, il existait une version américaine en anglais dans le texte, sur Mega CD. À la base, c'est un jeu qui était sur micro japonais. Et donc, c'est un jeu qui a fait un petit peu la légende de Kojima, parce qu'il était très connu. Il avait des thèmes assez adultes, il y a des gens qui se coupaient la tête, il y a des gens qui meurent, il y a des flingues et tout, etc. Le scénario, j'ai pas besoin vraiment de vous l'expliquer parce qu'en fait c'est juste Blade Runner. Hein. Tu es un snatcher qui est là pour arrêter les robots qui sont intégrés dans notre société, nanana. Et quand tu enlèves leur visage, ça ressemble à Terminator. Mais bref, du coup, en l'état, moi je peux pas y jouer à Snatcher. Ça reste un cadeau phénoménal de l'avoir mis. Ça par contre, on ne peut pas faire la fine bouche sur le fait qu'il l'ait pas mis. Parce que du coup, ils l'ont mis. C'est un des jeux légendaires de la PC Engine CD. Tout comme il existe la suite spirituelle Polysnote sur Saturn et PlayStation qui elle parle en anglais, donc en fait on peut un peu suivre l'histoire même quand on joue la version japonaise, mais malheureusement, ou c'est l'inverse, c'est écrit en anglais et avec les voix japonaises, enfin bref, je sais que Polysnote est plus accessible en version Jap au Romanji, enfin à nous autres que Snatcher, sauf si vous chopez la version Mega CD, mais au moins le jeu est là, et si vous commencez à apprendre le japonais ou si vous avez besoin d'un support pour faire le jeu en Jap, bah là sur PC Engine, enfin ce sera beaucoup plus simple de le faire sur la PC Core Graphics que de s'emmerder à émuler cette saloperie quoi. On est là sur Gradius 2 d'ailleurs. Là on avance hein. Polysnote dans lequel on peut ploter toutes les filles, parce que Kojima n'est pas du tout un énorme beauf, et il y a même un succès pour avoir ploté toutes les filles dans le jeu, et Kojima s'est énervé avec sa production, parce que au moment de le porter sur PlayStation et sur Saturn, à la base on pouvait pas ploter toutes les filles, il a insisté pour qu'on puisse continuer à faire pouet-pouet camion à toutes les filles, parce que, je rappelle, Kojima n'est pas un énorme beauf, c'est pas du tout le Luc Besson du jeu vidéo. Donc Gradius 2. Konami. Gradius, souvenez-vous, en 85, il s'était battu contre un vaisseau de Star Wars et un gros cerveau, et il avait gagné. Puis en 86, il s'était battu contre la grosse salamandre dans Salamander alias Gradius 1,5. Puis en 88, ben voilà, c'est Gradius 2. Qui sort 4 ans après, par rapport à l'arcade. Alors là, petite chose inédite, on peut choisir dans quelles sont les armes avec lesquelles on va pouvoir jongler. Donc moi j'aime bien le Ripple. Et tu peux même choisir quel va être l'effet de ton shield, si tu veux que ce soit un shield pour prendre un dégât gratuit ou avoir un shield devant. Donc moi j'aime bien le dégât gratuit, parce que j'aime bien faire pas gaffe. Et là, attention, Gradius 2 PC Engine, il a quand même une certaine classe. On va mettre le turbo parce que j'ai pas envie de m'énerver. Bon, direct hein, le speed hein, parce que sinon là ça devient vraiment vraiment pénible. Et si tu tues pas les colonnades, c'est vraiment relou. Donc voilà, là, claque le double, la double peine.
Ah, j'aime tellement la zik. Et là, le fameux truc de Gradius 2, les éruptions solaires qui font mal, qui sont littéralement des dragons. Et là, voilà, là on a le Repo. Et non pas le Nepo. Et voilà, on est mort, putain. C'est tellement dur. Au début, là, j'ai rien que d'éviter les trucs, mais... Tu peux t'amuser, là, je crois, à essayer de tuer les dragons, mais... Bon, tu... Ah, c'est dur. Non mais faut au moins deux speeds. Parce que oui, tu peux cumuler les speeds, hein, par contre, hein, et après devenir démoniaque. Là déjà... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est nul. Bon, vous aurez compris, c'est Gradius 2. Dans le même registre, mais un peu plus homo-érotique, nous avons Show Aniki, un jeu dont le deuxième épisode est particulièrement culte, vous l'avez peut-être vu chez John Tron ou quoi que ce soit. Show Aniki. Et là, on n'a pas fini les jeux Jap. Oh là là, ça fait deux heures qu'on stream et que je blablate. Show Aniki, c'est vous dire, hein, l'offre pléthorique de cette console. De cette console mini. Un jeu avec une ambiance très particulière. Que je vous laisse explorer le temps que ça va. Donc Show Aniki, hein, voilà, des bodybuilders, des... alors le 2 est tellement, tellement fou, on va jouer la jeune fille. Attention aux boomers. Et donc c'est quoi? C'est un shoot 'em up, encore une fois, donc vous avez intérêt à aimer ça. On écoute la musique. C'est hyper bien animé. Et c'est un shmup. C'est presque un mongolo-mup. Je sais, y a pas de terme en fait. Parce que c'est pas une, c'est pas un cute mup, c'est l'inverse. C'est un malaise mup. Et encore là, c'est. Pour l'instant, il se passe que des choses bien. Je comprends pas quand est-ce que je le touche ou pas en fait. Ah oh, putain, je suis mort. Oh, c'est la cruauté quand il est là quoi. Un cringe em up. C'est où son point faible en fait? C'est dur de fou. C'est un jeu du muscle hein, par contre. Hein. Mais t'as vu ma hitbox par rapport au reste du jeu quoi?
T'as un espèce d'œil de truc à craquer. Oui, c'est qu'il y a un visage barbu dans son œuf, ok. Eh, mais c'est super dur de prendre le risque d'aller taper dedans là. Putain, mais on manque de crever. En fait, je sais pas où est ma hitbox. Je sais pas où est ma hitbox. Oh non, pas encore. Voilà. Et le 2 est 6 fois plus anxiogène et bizarre et foufou et bodybuildé. Bref, un jeu assez culte s'il en est sur console au Japon et en arcade. Est-ce que vous aviez envie d'y jouer? Je pense que oui. Mais alors par contre, vous avez vu à quel point c'est hardcore. Hein. Le premier boss, il va falloir taffer. Hein. Alors voilà, et là, regardez, il nous reste 4 jeux sur la playlist japonaise. Parce qu'attention, c'est pas fini. Hein. Il nous reste 4 jeux sur la playlist japonaise, et là... Là, fermez les yeux et écoutez. Écoutez-moi ce son. Le fleuron. Ça, c'est le jeu, c'est la plus grosse disquette que vous met, enfin, dans le bon sens du terme, hein. C'est le plus gros truc qui va vous appâter sur cette PC Engine Core Graphics. C'est bien sûr le jeu qui est inédit à la PC Engine, dont l'intro parle en allemand d'ailleurs. C'est le fleuron Michou. Castlevania Rondo of Blood. Chino Rondo. Et son intro en allemand dans le texte. Un jeu qui coûte entre 200 et 300 euros aujourd'hui d'occasion. Inédit sur la console, à moins que vous l'ayez débloqué sur PSP dans le Castlevania Chronicles X. Pas Chronicles, si je crois que c'est ça. Bref, dans le remaster... dans le remake PSP du même jeu, il est possible de débloquer cette version. Sinon, niquez-vous. Donc, un des jeux les plus légendaires de la machine, avec une BO les plus mythiques de la série Castlevania, une série qui est connue pour ses musiques, considéré comme le meilleur Castlevania arcade. Enfin, pour de la mouvance arcade de Castlevania avant que les Castlevania deviennent des Metroid-like, des fameux Metroidvania. Donc, mais par contre, dont moult sprites vont être recyclés dans le fameux Symphony of the Night. Vous avez donc, c'est un petit peu le dernier Castlevania arcade parce qu'il y a un mauvais remake de cette version sur Super Nintendo. Donc là, on est en 93. Et c'est un petit peu le Castlevania 2D ultime qui vous est offert dans cette Core Graphics avec la musique culte, le fait d'enregistrer. Déjà le jeu il pose ses grosses couilles quand même. La musique sera d'ailleurs telle quelle dans d'autres Castlevania. Bah sur Super Nintendo, il y a une sous-version de ce jeu, c'est tout. Enfin, genre, prenez comme vous voulez. Hein. On peut s'en tester d'ailleurs. Rien que le sound test de ce jeu, il vaut le prix. Cette musique, vous la connaissez bien sûr. C'était l'ultime luxe. Celui-là, c'est un vrai triple A, encore une fois, de l'époque. Des cutscenes à l'infini. Grosse mise en scène.
des effets de transition dingues, des sprites super beaux, des animations folles, des dialogues, des personnages différents, une rejouabilité cool, un jeu qui envoie la purée. Et qui est resté, encore une fois, assez confidentiel, parce que il fallait... Il n'est jamais sorti en Europe, ni aux États-Unis, si je dis pas de conneries. Je pense pas en dire. Et alors que c'était tout ce qu'on aimait dans Castlevania sur NES. Alors moi, j'ai une petite préférence pour le Castlevania 4, hein, j'adore vraiment le gameplay du 4. Mais celui-ci, bon, ouais, voilà. Pff, quel pied. Et rien que ce jeu... qui vaut une fortune d'occasion, le fait de l'avoir mis, c'était la première chose quand ils ont annoncé une possible PC Engine Mini, la question c'était est-ce qu'il va y avoir Castlevania, parce que beaucoup de collectionneurs s'équipent en PC Engine pour avoir Castlevania. Moi j'ai une PC Engine Duo RX, donc la version Duo un peu ultime, mais j'ai pas Castlevania, parce qu'il coûte trois fois plus, il coûte aussi cher que la console. Non, voilà, la Duo RX ça coûte plutôt 500-600 euros, mais écoute, le jeu il coûte presque aussi cher que la console, tu vois ce que je veux dire. C'est un jeu à un prix extrêmement prohibitif. Et en plus, sur eBay, il y a des tas de copies qui circulent parce que les gens font des très bonnes copies de ces jeux-là. Ben, le mec, il n'y a pas le temps, quoi. Allez, comment c'est... Oh, poussif. Vous avez vu cette ambiance? Plutôt que de te mettre un jeu dans directement, genre, allez, vas-y, tue des monstres et tout. Tu te fais taunter par la mort. Et ensuite, tu vas faire le jeu. Et le jeu est toujours aussi beau, quoi. Alors, c'est vrai que le premier niveau sur Super NES est vraiment magnifique. Et la musique est pas aussi bien. J'aurais aimé même d'ailleurs que le volume soit un peu plus fort. On va augmenter le volume. Non mais l'animation, tout a une classe folle en jeu, c'est vraiment la méga super prod. Hein. Ouais, et il y a le saut arrière, comme sur Super NES. Okay. En fait finalement j'ai plus joué la version Super NES. Qui est crispante au possible. Alors que celui-ci est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre. Pas juste de la console, mais du début des années 90. En plus de son côté exclusif qui le rendait vraiment, vraiment exotique et légendaire, quoi. On est sur la même console, hein. On est sur un hardware de 89. Et là, pour le coup, non, le jeu n'a rien à envier à ce qui se fait sur Mega Drive ou sur... Il est vraiment dingo de chez dingo, quoi. Il y a des voix dans tous les sens. Énormément de sprites, d'ailleurs, seront telles quelles, hein, sur Symphony of the Night. Tellement ils ont, tellement ils avaient mis la max en termes de travail sur celui-ci, quoi. Avec le fait de pouvoir arriver directement au milieu des escaliers. Les Vampire Kiss sur Super Nintendo est rigolo, hein. La tour de Pise. En fait, j'ai pas envie de me battre contre lui très fort. Vous avez vu la taille du méchant? De toute façon, le jeu là, il donne envie direct, hein, que ce soit en 2020, en 93. Ah mais attends, mais, ah merde, on peut pas glisser, putain. Je confonds avec Symphony. Parce que par contre, le sprite de Richter, c'est exactement le même, quoi. Et là, je vais me foirer sur le boss, tu vas voir. Déjà parce que j'ai pas toutes mes vies. Mais je suis en turbo, putain, quel con. Oh, la musique. Non, mais non, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord, il en a rien à foutre. Bibu 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 bibu.
Alors maintenant, comment je vais faire pour le battre sans les haches? Ah bah il te donne des haches. Alors j'ai la version PSP, mais c'est vrai que j'ai pas... Oh putain! Et voilà, je me fais avoir. Certains patterns ont l'air assez chiants. Mais non, là il va re... Il a l'air très chiant si t'as... Oh putain, qu'est-ce que ça fait mal! Merde! Là il va me tuer! Là, nique ta mère. Ouh! Quelle ambiance. Ça fait toujours aussi bizarre hein, d'avoir des musiques aussi bien produites sur des jeux pixelisés, quoi. Sur des jeux qui ont un look début 90s avec des musiques aussi d'aussi bonne qualité et tout, parce que moi j'en avais pas de console CD jusqu'à la Saturn. Et ça envoyait tellement le steak. Oh, la musique de Vampire Killer. Prod. C'est ce Korbach de merde. D'ailleurs, il y a un Digital Foundry rétro sur les Castlevania qui est vraiment très bien. Soit c'est celui-là, je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un GameSack. Si c'est DF rétro ou GameSack ou peut-être les deux. Putain! Oh là là, c'est dur! Ah, le jeu fait encore rêver aujourd'hui, hein. On va essayer de moins faire de la merde sur ce deuxième niveau là, parce que bon, il suffit d'avancer et de foutre des coups de fouet, donc on arrête 5 minutes quoi. Merde, putain, je me suis fait ambiancer. Mais le... Quelle horreur! Mais non, mais on va pas... En fait, faut garder. Ah putain, si tu te baisses, tu peux pas détruire la hache et il te fait chier quoi. Il faut vraiment tout à fait. Hein. Bien sûr, ça c'est un remake du premier niveau de la version NES. Oh la zik! Qui s'énerve! Bon, la guitare au clavier, elle a fait un peu mal, mais... Ouh! Faut rester méthodique, hein, ça reste Castlevania, c'est pas parce que c'est la grosse fiesta qu'il faut jouer comme un âne. Ma petite chatte. Ah, oh non, pourquoi je m'arrête dessus? Quel con. J'aurais dû juste sauter par dessus quoi. Ouhou. Putain, mais...
On va arrêter de ramasser les bonus, hein. Vous êtes vraiment relou. C'est si dur. Il donne si peu de vie. Ah, j'étais obligé d'aller avec les catacombes. Pendant les doubles là, avec les poissons, les hommes crabes. C'est vraiment les mêmes sprites que sur PS1 quoi. Genre le jeu et ils ont fait la moitié du taf dessus quoi. Ah, mais j'ai la clé. Non mais j'ai plus la clé putain. À garder la clé, c'était je sais plus, à un moment tu peux débloquer Maria, la petite fille qui vient t'aider à la fin de Symphony of the Night et qui est jouable dans la version Saturn. Bref, le lore, la Castlevaniance. Non mais c'est un jeu qu'il faut taffer en fait, c'est il est surtout dur parce que j'ai rien taffé, je suis Ah, ça c'était la salle où tu tuais la grosse chauve-souris dans le 1. On va essayer de tâter ce deuxième boss et puis c'est autre chose. Mais là c'est la mort, non? Non, c'est le loup-garou. Regarde cette mise en scène. C'est le garou qui sont tels quels sur PlayStation. Hein. Oh là là, mais c'est quoi ces patterns de la violence là? Bref, vous aurez compris. Un grand jeu. Et il faut que je joue mieux. Du coup, on n'a pas fini. Il nous reste 3 jeux à testouiller sur cette PC Engine. On est sur Bomberman 94. Donc, là, on est quand même. Sur la fin du pentafin de la console, sachant qu'on est on n'est pas sur un jeu CD-ROM, hein, on est sur un jeu sur la petite console à cartouche de base. Donc ce jeu il tourne sur la console de 87 telle quelle, sans bouger, sans extension, sans carte supplémentaire. Nature. Alors bien sûr, 96, Saturn Bomberman finira le game des Bomberman 2D. Et on y jouera dans toutes les conventions de France et de Navarre jusqu'à l'infini. Mais voici Bomberman 94, sorti en 93. Et il est choupinou comme tout. Petit Bomberman avec un petit mode story. Regardez comme c'est mignon. Après, Bomberman en solo, ça m'a jamais saucé. L'escargot, mon gars, comment il est fumé. Attends, faut le détruire ça ou quoi? Scrolling est tellement propre. Ah voilà, enfin un peu de puissance. En fait j'ai toujours eu du mal à calculer les timings dans Bomberman, ça m'énerve. J'ai toujours énervé. J'ai toujours été mauvais à Bomberman. Alors que j'avais un pote, il se butait hein, genre sa vie c'était Bomberman. Mais non, mais les flammes qui passent même pas dans le truc quoi. Wow, l'animation est cool hein. Quel con! Cette panique! Bref, vous aurez compris. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre jeu
Vous avez vu comme il est chou ce Bomberman. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y a même pas deux manettes. Bomberman Panic Bomb qui sort l'année d'après. Et qui est un Bomberman particulier pour ceux qui connaissent. Il ne s'agit pas du Bomberman de maman, même si c'est tellement mignon. C'est en fait un puzzle game en versus qui ressemble à beaucoup de jeux en mode swing là. Genre tu fais des bombes quand tu fais des triples. Les musiques sont cool, les animations sont assez rassées. Là, si je fais bombe, blah. Donc, tu vois, c'est toujours hit or miss pour moi les puzzle games. C'est genre, j'aime beaucoup Baku Animal, celui-ci il me parle pas trop. Je suis pas un mec de Puyo, donc faut pas m'en parler. Puzzle Fighter, j'ai jamais réussi à bien y jouer. J'ai jamais chopé le virus sur certains. Il y a beaucoup où j'ai pas chopé le virus, il y en a beaucoup où je suis chaud bouillant. Magical Drop bien sûr en premier où je suis plus que chaud. Je suis top FR d'ailleurs. Histoire de touiller eh bien, les gens qui m'ont défié. Mais voilà. En fait, l'avantage c'est que pour la simple variété de la ludothèque de la console, avoir mis un puzzle game, c'est bien au milieu de 1 million de shoots. Ça rappelle que des fois la vie est simple. Attends, là normalement je peux pas tout faire exploser là. Si, c'est bon. Les musiques sont stylées. Par contre là il m'a ambiancé sur un truc que j'ai pas du tout apprécié. Je fais zéro combo parce que tu vois je réfléchis même pas. Parce que je suis. En fait, les trucs où faut faire tourner là dans les sens, là, ça me fait vriller le cerveau en fait. J'ai jamais eu la patience. Comme tu peux voir, là, il va falloir trouver un moyen de faire exploser ces trucs ou alors juste de continuer à jouer. Wow, faut se calmer là. J'ai le Big Bomb! Voilà, là, on est bien là. Il va mourir. Quand il meurt, on change de jeu, bien sûr. Mais en soi, ce jeu, il a du sens dans la collection proposée. Pour la simple raison que il n'y avait pas de petits puzzle games qui sont quand même un pan tout entier de la console. Enfin, des 90s. En plus, c'est cute. Et puis, c'est Bomberman qui n'aime pas Bomberman. Donc, il y avait sûrement pire à proposer, quoi. Et dernier jeu disponible dans cette collection japonaise, je rappelle. On est que sur la playlist japonaise. C'est Saphir. Enfin. Ginga Fukei Densetsu Sapphire. Et avec 2 P d'ailleurs. Voilà. Qui vaut 9. Qui vaut d'occasion une centaine d'euros. Et 9. 1500. Et l'avantage, regardez, là, on met une autre carte. C'est là, on l'avait pas vu encore. C'est la arcade card. Et la fameuse arcade card, c'était l'extension de RAM. Donc du coup, on est sur un jeu qui va turbo booster la console pour le lecteur CD. Et donc, on est sur un petit peu le champ du cygne de la console. Un jeu qui est devenu mythique de par le fait, donc. Qui avait besoin de RAM pour charger plus de choses à l'écran et un petit peu plus de puissance et de vélocité, tout ça. Comme certains jeux de foot d'ailleurs, que vous aurez vu dans Hard Looters. Et donc on est sur un petit peu la méga super production champ du cygne de la console version CD-ROM avec l'extension de RAM fofolle.
Dingo, quoi. Mais encore une fois, c'est vous dire le cadeau qu'ils vous font quand ils mettent ce jeu-là enfin en distribution officielle. Ils le font sortir de la console, il n'est pas sur Steam, il n'est pas, il n'y a pas d'émulation officielle de portage sur d'autres machines ou quoi. C'est pas comme la Neo Geo et tout. Là, Sapphire, c'est soit tu payes 100 balles ou 1500 balles pour l'avoir neuf, et si tu as une console avec un lecteur CD qui fonctionne encore, ce qui n'est une gageure. Soit, ben, là sur la Core Graphics, rien que celui-ci et Castlevania, c'est des jeux à eux deux, ils valent leur pesant de cacao, ils valent le détour. Du coup, on se gaufre l'intro parce que c'est quand même de la balle. On est sur du jeu super luxe là. Hein. De toute façon, seuls les riches déjà pouvaient y jouer, mais alors là, t'imagines même pas. Si j'ai bien compris, tu es sur la PC Engine Mini, pas la Core Graphics Mini. Alors non, je suis sur la Core Graphics Mini, mais il y a le menu PC Engine. Par contre, il n'y a pas Tengai Makyu 2. Ce que vous allez voir, en fait, c'est fusil appuyé sur un bouton, ça a passé en Core Graphics. Vous allez voir. Donc, Sapphire, un jeu qui est censé en mettre plein la vue pour les possesseurs de lecteurs CD. Et surtout, il a un habillage extrêmement léché. De l'animation, des filles cute, etc. La kawaïance, on connaît. Et bien sûr, ça ne vous surprendra pas vraiment de voir que c'est un shoot 'em up. Mais alors, un shoot 'em up avec des effets de zoom, de morphing, des trucs qu'on n'était même pas censé avoir le droit de gérer. Merde, putain! J'ai foncé dedans, je pensais qu'il allait exploser, quoi. Ils ont chargé les trucs là, en fait tu regardes plus le décor que les persos. Oh putain, ils se traînent le truc. En fait je pensais que c'était... Putain mais je suis déjà mort, what the fuck. Je regarde le décor, tu sais, je regarde le visage et tout quoi. Ah mais attends, mais le blast qui tue. Quelle horreur. Putain mais attends, je suis en train de regarder le décor. Comment je me fais attaquer par des gros polygones sales. Aïe aïe aïe. Bon, par contre les bruitages ils font un peu caca quoi. Oh là là, par contre. Alors attends, on va prendre un autre vaisseau. Donc on a déjà perdu deux continues. Et je fais gaffe à rien, il y en a partout. Par contre, le budget, il est scandaleux, mais je préfère un petit peu Spriggan quand même. Bah, tu vois, en fait, c'est tellement une débauche d'effets. Tellement le style me plaît quand même moins. C'est dommage parce que c'était très kawaii les intros et tout. Tu vois, ça, je suis sûr que c'est relou à animer et tout. Magnifique, quel beau travail. Mais alors, je me bats quand même contre un TP de chimie, quoi. En fait, ça vieillit plus que le shoot où tu pouvais jouer la petite PC Engine, le petit Bomberman, quoi. Ou même que le premier Spriggan, hein. Qui pour moi est vraiment dingo. Par contre, ouais, t'as des gros blasts, t'as de l'animation à fond, regarde là, ça zoom, waouh, waouh. Alors, c'était des effets assez inédits, par contre, putain, je trouve. Je sais pas, les couleurs du jeu tellement chelou que j'ai du mal à jouer, quoi. Et le vaisseau se traîne pas mal. Bref. Du coup, si vous hésitiez à mettre 1500 balles dans le jeu, bah écoutez, ne le faites pas. Donc, là, on a fait le tour des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 jeux japonais disponibles sur la console. Et maintenant, nous voici sur la playlist américaine de la TurboGrafx 16, qui était le nom de la console aux États-Unis, et avec donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jeux en plus. Voilà, donc la value de cette console reste quand même assez imbat sur le marché. Et donc on est parti pour se faire la playlist américaine, les 25 jeux à venir. Sachant que, bon, rassurez-vous, Dungeon Explorer c'est le même que la version Jap, ainsi que Military Madness qui est en fait Nectaris, Newtopia c'est le même que le 1, c'est Newtopia 1 tout simplement. L'YS c'est le même que sur la version Jap. Newtopia 2 c'est le même aussi. Par contre, Soldier Blade Sup et Blazing Lasers, Lords of Thunder, tout ça, c'est que des jeux. Blazing Lasers qui est en fait Gunhead, le fameux Gunhead, qui est ici en version américaine parce que c'est peut-être mieux, parce qu'en fait, Gunhead est à la base l'adaptation d'un film japonais. Eh bien on a 25 jeux qui nous attendent. En version américaine qui sont pas piqués des hannetons. Je vais peut-être refaire un pipi parce que vraiment ça urge et que il faut qu'on puisse continuer à parler, donc je vous laisse. De toute façon il y aura un attract mode qui va devrait lancer un jeu dans quelques secondes. Par contre voilà, les jaquettes US sont quand même bien dégueulasses.